Kane est un dieu. Allô, yo les gens. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Eh oui, très rare, trop rare. Il fut mortel, lui aussi. Oui, voilà. Calme-toi. Yo les gens, comment allez-vous? Salut le Paca, salut le Pro, les zombies, c'est Rémo Cassoulet, salut le Choupi, salut les gens qui arrivent évidemment. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette 7ème et espérons-le, dernière partie de ce Toka Touring Car Championship. Il nous reste deux courses. On va essayer de se les faire en 3 heures. Salut. Il fait beau, putain, il fait beau. C'est une belle journée, Yobibes, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. C'est une très, trop belle, peut-être, certains diraient. Une trop belle journée. J'étais à deux doigts, mais à deux doigts, de récupérer tout le matériel, PC et compagnie, et de l'amener dehors, dans le jardin. Et de streamer du jardin en mode détente, beau soleil, tout ça, là. Petit cocktail. Mais je me suis dit, c'était un peu abusé, quand même. Puis bon, juste après le repas, se refaire un apéro. Voilà, je sens que ça fait pas marrer tout le monde. Attendez, faut que je réponde, je suis désolé. C'est parfait. La gare a tout bougé. Non, je pense que si le confinement se prolonge, s'il fait beau, je ferai mes après-midi de stream dehors. On sera bien. On sera bien. Bon, pas sur Toka, parce que j'ai pas envie que mes voisins me prennent pour... Enfin, encore plus pour un cinglé que ce qu'ils doivent... Selon la vie, ils doivent quand même le penser un petit peu, quoi. Mais... voilà. On va essayer de... Et sur les autres, ouais. Même dans les trailers, les voitures se retournent. Oui. Yo Piri, comment vas-tu? Ouais, c'est bon, j'ai mis le timer, vous inquiétez pas. On aura une émote timer un jour, on y croit. On y croit. Début course championnat chargé jeu. Allez, on a deux courses à faire. On y croit. Si ça marche bien, demain, on streamera la refonte du marathon. Enfin, refonte. Je vais refaire quelques éléments graphiques. On va revoir quelques trucs. Je vais ranger le Google Doc avec vous. Je vais ranger les cartes mémoire avec vous pour les mettre à disposition. Donc, les 165. Enfin, il y en aura moins parce qu'il y a des cartes mémoire où j'ai mis d'autres jeux. J'ai mis plusieurs jeux sur la même carte mémoire. Mais je renommerai toutes les cartes mémoire. On fera un channel carte mémoire. Sur le Discord et je mettrai à disposition toutes les cartes mémoire sur le Discord en vous invitant également vous à mettre vos propres cartes mémoire avec la description quand même, ce serait pas mal pour vous, voilà, moi je m'en servirai pas, c'est vraiment pour vous, entre vous, vous faire une banque de données de cartes mémoire. Tu penses rajouter une catégorie genre au GDoc ou galère? Je peux, mais alors il va falloir que je refasse manuellement, mettre les genres manuellement sur plus de 1400 de jeux. Parce que normalement sur mon Google Doc, il y a un peu plus que 1400 de jeux. Parce qu'il y a, il reste forcément quelques doublons que j'ai pas vus, et il reste encore quelques trucs, donc ça risque... Faut qu'on m'aide, oui, ou alors je me prends une après-midi entière, mais est-ce que vous avez envie de regarder un crétin une après-midi entière refaire tout ça? Oui, vous pouvez m'aider. Il faut voir, je me dis, dans un futur proche, peut-être déléguer quelques trucs, en sachant quand même que je considère que j'ai quand même beaucoup trop délégué entre les commandes, voilà, le modérateur, ils sont quand même mis à contribution de ouf. Oh, c'est pas que j'en ai envie ou pas envie ou besoin, moi, plus il y a de choses, mieux c'est, je trouve, hein. Ça fait faire le merdier. Après, moi je considère que c'est mon défi perso. Et déjà, ça me dérange énormément que les gens soient mis autant à contribution alors que. Voilà. Même si c'est pas vrai en fait, ils foutent rien ces bâtards. Oh, ça passe! Cette course là, je la sens bien, je sais pas. Pas de suite parce que là, faut que je m'y remette. Mais je sais pas, je la sens bien cette course là. J'ai pas l'impression qu'il y ait de véritables moments de danger, je ne sais pas.
Je pense que comme d'hab, hein, le problème, ça va être les autres. N'est-ce pas? Non, au contraire. Hein. Puis moi, ça me touche quand, quand vous dites, voilà, ça serait pas mal de faire ceci, de faire cela, ça pourrait être intéressant. Ça prouve que vous portez un intérêt au délire. Donc ça, c'est vraiment cool, moi j'aime. Yo, monsieur Akishomo, comment va? How are you, my friend? Holy shit, bon, c'est pas grave. Là, il faudra que je freine. Hein. Fin de qualif, on va s'entraîner. Tout s'est ligué contre le nouveau pilote de Honda qui va être obligé de se surpasser. C'est fait avec plaisir. Ok, ok, mais écoutez, on verra à ce moment-là. Ouais. Je suis combien là? Ah, 12ème. Avec mon temps nul, 12ème. Donc en gros, si je fais premier, j'aurai 4 points d'avance pour la prochaine course. Par contre, si je fais deux fois premier, ce qui va être très dur, j'aurai un point à faire sur la dernière course. Autant dire, j'aurais juste à découvrir la dernière course et ce sera plié. Ist das klar? Oh la vache, j'ai parlé allemand! Au secours! Yo Saburo, comment vas-tu? Qu'on ne parle plus de Google Doc, pourquoi t'en fais des cauchemars? Qu'est-ce que t'as fait? J'essaie de vous lire, hein, mais je sais que c'est une très mauvaise idée! Très mauvaise idée. J'ai à Google Doc récapitulatif des morts d'un streamer sur Dark Souls 1, 2, 3 et Sekiro. Pourquoi tu fais ça? Quel intérêt? Tu mets le signe infini et puis terminé. C'est gagné quoi. Ça va nickel, ouais, je vous remercie. Il fait très beau, je passe une très très belle matinée. Je passe une sale nuit mais une très belle matinée. Putain, je me suis couché tard. J'ai joué à Path of Exile jusqu'à 2h du mat. Alors qu'à minuit et demi, j'étais déjà pas fatigué. Je sentais que j'étais claqué, mais je me suis dit, bon, on y joue une fois par semaine. Je vais essayer de. Voilà, on a fini l'acte 2, l'acte 3. T'as fait en tout plus de 800 clips. Et fais-le pour moi tout ça, là. Fais-moi 800 clips, gros. Non, par contre, ce qui pourrait être intéressant, si vous voulez, je vous mette à contribution. Si ça intéresse quelqu'un de farfouiller dans tous les clips, les rediffs et compagnie, mais bon, je pense que les clips, ça sera plus facile. Pour faire un espèce de best-of. De best-of, alors peut-être par tranche de jeu. Bah, best-of du jeu 1 au jeu 50, puis du 50 au 100. Une espèce de best-of. Moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, ça, c'est un très bon coup de pub pour la chaîne. De faire des vidéos best-of comme ça. Pour quelqu'un que ça intéresse. Yo Andrew, comment va? Bonjour, bonsoir. On ne ferait pas plusieurs sauvegardes. Je sais que tu en as déjà, à la limite. Tu finis cette course à la Zob. Comme ça, tu vois la suivante et sans la difficulté, tu vois si tu veux. Mais j'ai déjà plusieurs sauvegardes. Dans tous les cas, même là, je vais sauvegarder. J'aurai encore les sauvegardes précédentes donc que je garderai. Oui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je vais m'entraîner un petit peu. Voilà. Par tranche de jeu, par catégorie. Plutôt par tranche, tu vois, par date, quoi. Là, le best-of du jeu 1 au jeu 50, du jeu 50 au jeu 100. Sachant qu'il y a plein de rediffs qui ont disparu. Donc, je sais qu'il y a des clips de rediffs disparus, par contre. Ça, c'est cool. Enfin, il me semble. Yo Kings, comment va? Bonjour, bonsoir. J'ai vu des clips. Alors que les rediffs ont disparu des serveurs. On a changé de streamer, ouais. Pour un streamer plus jeune, 2.0. Un streamer boys band, vois-tu. K-pop. Il fait de la K-pop. Sur le thème de Laura Palmer. Oh, ça me parle ce nom, Laura Palmer. Pour l'instant, je m'échauffe, je teste un peu le circuit. Queen Pix, ben oui, putain! Fucking Lynch! J'ai pas regardé la série, enfin, j'ai pas regardé le. Bref, vous avez compris. K-pop, merde, je me désabonne. Trop tard! Payer, c'est payer, reprendre, c'est voler. Je vais le dire à ma mère. La semaine prochaine, on reprendra les streams le soir, mais là, ça m'a fait du bien de pas streamer le soir, là. De rader des trucs un peu, voilà. Puis bon, j'ai bien fait parce que je me dis, faire des soirées, même si c'est que, entre guillemets, jusqu'à minuit, sur Toka, y a moyen que ça me rende complètement cinglé, que je dorme pas ou peu. À partir de la semaine prochaine, on reprend. Alors par contre, je compte sur vous, on va se mettre des jeux cool maintenant. Après Guardians Crusade, s'il vous plaît, mettez-moi des jeux. Pas forcément facile, hein, c'est pas, mais pas anxiogène, pas des trucs qui vont m'énerver.
ce moment, j'ai besoin de douceur, les mecs. Vraiment. Ah ouais, donc avant de se coucher, l'angoisse. Non, par contre, Yonox, comment va? Bonjour, bonsoir. Par contre, je vous garantis que ça va vraiment être un grand moment pour moi de finir ce jeu de manière légitime. Ça va véritablement être un moment chocassouille. Là, oui. En fait, faut vraiment quand même bien freiner avant. Toka 2. Le prochain jeu, c'est Guardians Crusade. C'est pas un jeu anxiogène, mais ça va être, je pense que ça va être un petit peu l'ennui. De mémoire, il est très mou. Heureusement, il a pas l'air très long, mais c'est très mou comme jeu. Et en vrai, je crois que c'est pas... Des jeux doux. Il y a des jeux comme mon pote Mamadou. Il y a doux dans son nom, dans son prénom. Donc normalement, il doit être doux. D'ailleurs, il est doux. Ne lui dites pas que je dis ça. Il va mal le prendre et dire quoi, je suis doux, moi. Il le sait qu'il est doux. Yo Musica, comment va? Bonjour, bonsoir. Avec ton Bernard fucking Minet. Des plus belles émotes de l'univers. Ça, pendant un moment, je voulais me faire une émote framboisier. Voilà, parce que je me suis dit, bon, quitte à faire une émote démusclée, autant prendre le moins charismatique. C'est vrai que framboisier, il a des lunettes et il a le meilleur mulet de l'équipe. Parce que Bernard Minet, il est joli son mulet, quoi. Mais framboisier, il a quand même un mulet de très, très, très grande qualité. Un mulet que le monde entier lui envie. Avec celui de Corbier. Ouais, mais Corbier, non, c'est pas un mulet. C'est pas un mulet. Pas tout à fait, non. Corbier, putain. Corbier qui est un super guitariste. Hein. Je l'ai vu à je sais plus quel festoche. C'était super. C'était super. La difficulté reste variable. Très bien, mais vous avez tous des jeux à proposer à la difficulté variable. En vrai, je commence à maîtriser la course assez rapidement, je trouve. J'ai rien dit. Tais-toi le... Yo Mazakan, va, bonjour, bonsoir. How are you, my friend? Ouais, nickel. Nickel, nickel, écoute. On fait aller. On fait aller, je vais... peut-être faire une vente pour mon pote Jean-Baptiste, là, pour Best Game. Le magasin indépendant. Donc c'est cool. Même s'il est fermé, voilà, je vais voir. Je sais que j'ai des potes qui ont besoin de jeux, qui ont besoin de machines. Donc je vais les aiguiller vers lui, puis je vais aller les chercher, etc. Quoi. On va se débrouiller. Voilà. Je suis un petit peu un résistant du jeu vidéo, les mecs. Ouais, ça a l'air con, dit comme ça, mais il y a de ça. Faire survivre un magasin indépendant comme on peut. Quoi. C'est ultra important. Enfin, moi, pour moi, c'est ultra important. Quoi. J'ai pas envie de me retrouver dans un énième Carrefour, un énième Micromania, à parler de jeux vidéo avec des gens qui comprennent rien. Parce que c'est des commerciales, des commerçants, peu importe, avant tout, avant d'être des joueurs, quoi. Bref, laisse-toi pousser la stache mou. Non, je vais laisser tout repousser, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que depuis que j'ai plus ma barbe, la vie me sourit. La vie me dit oui. Putain, j'aurais bien réussi mon départ, je pense que j'aurais pu faire une belle course là. Alors que là, je vais faire une course bof moins quoi. Mais bon, je m'entraîne. Je serais con de finir le jeu trop vite, quoi. Tu es prié de tolérer la méconnaissance. Ah mais je tolère totalement, c'est juste que moi j'ai pas envie d'y aller. Je dis pas il faut pas y aller, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas ton père. Quoique. Je sais jamais, hein, j'ai pas mal bourlingué quoi. Non. Moi j'ai envie de continuer à aller voir des indépendants, faire marcher le commerce local. Moi je suis l'anarchiste, hein, faut le savoir, mais un vrai. Hein. Pas un faluchard à la Usule et compagnie. Moi je suis un vrai anarchiste. Hein.
C'est-à-dire, moi, je crois au microcosme, aux communautés, etc. En même temps, je viens du milieu punk, donc j'aurais du mal à être autre chose qu'un putain d'anarchiste, quoi. Mais pas un anarchiste comme vous le voyez, parce que souvent, tu penses anarchiste, c'est God Save the Queen, fuck them all, on pète tout, on brûle tout, ça cache tout, pas du tout. L'anarchisme, en fait, c'est une forme de communautarisme, mais sans tous les clichés et les trucs dégueulasses, quoi. Ça, tu prends ton village et un petit peu les alentours, et tu joues, tu joues avec les possibilités. De cet endroit-là, en termes de population, en termes de capacité de denrées alimentaires, etc. Puis t'échanges avec d'autres villes, d'autres villages, etc. Voilà. C'est pas la communauté du genre, voilà, on va mettre un peu de white ici, un peu de blancos. Tu l'as vu venir celle-là, on était sûr. Ah, qu'est-ce que c'est. Trop facile. Construisent leur maison. Dans la forêt, tu sais que moi je suis trop bien dans les forêts. Tu te rends pas compte à quel point on est bien dans les forêts, les mecs. J'adore jouer aux jeux vidéo, hein. Je sais que j'aurais beaucoup de mal à me passer de mes délires vidéoludiques. Mais vous vous rendez pas compte à quel point on est bien dans la campagne et dans la forêt perdue. Quand des fois même t'as juste à suffisamment de courant pour à un moment donné choisir entre une douche chaude ou faire cuire le repas du soir. Bah, c'est même là, c'est cool, tu vois. Partir camper, etc. C'est un plaisir de ouf. Mais j'aime bien justement que mes deux plaisirs véritables soient, enfin mes trois plaisirs, parce qu'il y a aussi la zik, hein, mais soient vraiment chacun à deux pôles, quoi. C'est vraiment le monde à l'envers, quoi. Mais j'adore les deux, quoi. Je n'arriverai pas à vivre sans l'un ni sans l'autre, quoi. Je pourrais pas ne pas jouer aux jeux vidéo, ça me ferait chier, non. J'adore ça. Mais je pourrais pas non plus ne pas avoir une vie de campagnard. Victoire confortable de menu, finalement, il a fait une superbe course. Examinons donc. Et ouais, les mecs. Finale. Tout ne doit pas être forcément gris, hein, gris comme le béton, gris comme le mauvais temps, gris comme la pollution. Non, des fois il faut un petit peu de bleu, un petit peu de vert, hein. Bah ouais. Quand j'attends que ça parte à la campagne, avec quoi paumé faire mon niveau partagé. Voilà, bah oui. Bah oui. Deuxième séance de qualification va commencer. Allons-y donc. Non mais je m'entraîne, on va voir. Au pire, si je le passe, on verra, je verrai aussi la course suivante. Même si je le passerai pas, c'est sûr. Mais non, je m'entraîne. On attaque, on entraîne. Oh bah je le vois, moi, t'as vu, une matinée de beau soleil avec le bruit des oiseaux, les machins là. Ça m'a détendu. J'ai récupéré de 4 jours d'enfermé dans une baraque, quoi. En une petite matinée, ça m'a fait du bien. J'ai vu le soleil, il a caressé ma joue. Je fais ah putain, c'est vrai, parce que je l'avais pas revu depuis que je m'étais rasé, évidemment. Il a caressé ma joue, je fais ah oui, c'est vrai qu'il peut caresser la joue, le soleil, j'avais oublié. Ça faisait longtemps. J'étais refait. Qu'est-ce que je raconte de la merde, mec. Je sais pas comment vous faites, hein. Moi, je suis en train de me saouler. De ouf. Tu vas peler, mais non, je vais pas peler. Tu rigoles pas ici, c'est la dictature, en fait. Ah bon. Quelles sont vos sources? Quelles sont vos sources? Alors j'ai envie, je te le dis. Voilà, mieux déjà. Yoshiro, je Kowa. Oui, j'ai envie. Comment va Shiro, bien? Bonjour, bonsoir. Aucun honneur, aucune dignité. On va tous se les faire. On va tous se les faire, quoi. D'ailleurs, demain, faut que je note dans le programme de demain. Mais c'est le programme de demain si aujourd'hui on finit le jeu. Faudra aussi que je m'occupe des commandes du stream, mais avec les points de chaîne, c'est-à-dire rajouter, enfin pas les points de chaîne, les points de chaîne, les eaux de Surf Fortesk, pour ajouter des trucs. Quand vous atteignez un certain seuil, vous pouvez demander plein de choses, pas seulement, notamment par exemple, imposer entre guillemets, on va dire proposer un nouveau taunt. Mais par contre, quand vous proposez le taunt, faudra fournir également le fichier YouTube pour qu'on puisse récupérer tout.
et on en fera un tome. Le nouveau pilote de Honda a eu du mal et s'est qualifié vers le milieu de la grille. 100 000 points, j'aurais pensé à 50 000 moi. Un nouveau taunt, c'est un nouveau bruitage quoi, si tu préfères. Treizième, ça craint. La deuxième course de la journée est sur le point de commencer. Mission nécessaire, deuxième. Ils vous font 11 points. Ah oui d'accord, c'est-à-dire que j'ai fait 0 points sur la première. 10 000, tu les as vite, ouais, 50 000. Ouais. Tu décides de ne pas prendre les boosters pendant un moment et tu proposes un taunt. Il y aura ça. Ah, il y aura un truc. Va y avoir le retour. Du coup, ce sera un retour épistolaire. Ah, j'aime bien ce mot, putain, épistolaire, c'est beau ou pas? Ça t'a plu ou pas, épistolaire? Oh, le con! Oh, c'est beau! Everybody say. C'est pas encore un an, mais c'est presque 6 mois. Merci infiniment pour tes 4 mois d'abonnement, Shiro. Merci infiniment. Tu contribues à mon meilleur. Et ça, c'est beau. Merci beaucoup pour le soutien. J'aurais adoré un nouveau joker. Fais tourner la manette un vieux, ou un viewer joue à ta place pour un passage. Une certaine durée, mais impossible à mettre en place. Alors, c'est possible, mais c'est trop dangereux. Je le ferai pas. On peut le faire avec des trucs comme AnyDesk et compagnie, où tu prends le contrôle de l'ordinateur pendant quelques temps. Mais non. Non, non. Par contre, du coup, de manière plus stellaire, je vais remettre en marche le une soirée pour le torcher, où j'aurai donc une soirée pour torcher un jeu, et genre si tu arrives à 50 000 points, tu me dis, voilà, tu vas me torcher ce jeu-là, un jeu rétro évidemment de préférence, dans la soirée. Tu choisis ton jeu et je passe ma soirée à essayer de le torcher évidemment. Ce sera mon défi. Et pareil, je pense que ça coûtera 50 000. Torcher FF7. Non mais le truc c'est qu'après moi j'ai que 3 ou 4 heures pour le faire. J'aurai la soirée quoi, de 21h à minuit. Donc je choisis un jeu où c'est faisable, où au moins on peut avancer. C'est vraiment le délire, c'est vraiment... Je rétroniquement, pas forcément, mais après, voilà, faut que je l'aie le jeu aussi, quoi. Au pire, si tu veux me dire joue à tel jeu, tu m'offres une clé avec. Il y a moyen de mettre ça en place, tu penses? Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est jouable. Ça peut être rigolo. S'il m'encule pas la partie. S'il m'encule pas la partie. Nous sommes à Knockhill en Écosse pour la course d'aujourd'hui. La première séance de qualification va commencer. Allons donc sur le circuit. Yosifax bien. Je m'en souviens. Hey, well you, Monsieur Zifax. Monsieur, j'en sais rien, en vrai. Ouais, nickel, nickel, il fait beau. Il fait beau, là, ça y est. Je risque de streamer dans le jardin dans pas longtemps. Je pense que la semaine prochaine, il y a moyen. Il y a moyen, si je sais que toute la semaine il fait beau, il y a moyen que ça stream dans le jardin. 3 heures pour faire R2, ça se fait? Oui. Oui. Ouais, ouais. Clairement. Clairement. Surtout que... Ouais. Ah non, c'est le premier. C'est le premier version classique. Et on a... Oui, non, mais je sais, monsieur Zifax. Il est dégoûté. Il est dégoûté. Le premier HD, le remake, je les avais speedrun pendant un petit moment. Enfin, j'avais speedrun à mon humble niveau, tu t'en doutes, hein. Après, R2, j'ai la version GameCube. Enfin, la version GameCube. Enfin, on peut se faire des kiffs. On peut se faire des kiffs. C'est pareil, est-ce que je mettrais pas à disposition la liste de tous les jeux que j'ai en physique? Comme ça, une soirée pour le torcher, vous pouvez choisir le jeu. C'est-à-dire que quand j'achète un jeu, quand on m'offre un jeu, etc., il faut que je le rajoute dans la... Enfin, ça va être super chiant, tout ça. Mais bon, au pire, on verra, on n'y est pas du tout. T'as fait les petits scénarios extra du RE2 Remake? Non, du tout, du tout.
Dis-toi, RE2 Remake, j'ai fait... En plus, je me suis fait un kiff. J'ai fait... Léon A, Claire B. Sans me soigner... sans utiliser la... Sans utiliser la... Comment On part en même temps. Il y a sur un scénario, j'ai fait sans me soigner. Sur le scénario d'après, j'ai fait sans utiliser la malle. Et franchement, c'était costaud. Parce qu'il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant de récupérer tel truc. Parce que mon inventaire est réduit. Et ben, c'était super intéressant. Et du coup, j'ai pas refait derrière. Yo, monsieur Codine, comment va? Bonjour, bonsoir. Ça va? Enfin, monsieur, j'en sais rien. Ouais. Tu vois, c'est instinctif. Ça, c'est pas. Oh putain. Ouais, nickel, nickel. Calmez-vous. Calmez-vous les mecs. C'est vrai qu'on pourrait s'en refaire du Rainbow Six. Machin. Et par exemple, dans les points de chaîne, vous pouvez m'imposer une soirée Rainbow Six. Par contre, vous ne pourrez pas m'imposer une soirée Fortnite, Battle Royale, enfin tous les Battle Royale. À part peut-être Ring of Elysium, même si... pareil, je suis pas fan non plus, quoi. Je suis 15e, putain. Les voitures ouais, s'alignent à présent sur la grille de départ et s'apprêtent à entamer la manche. Rejoignons la piste. Ouais, je sais. Je sais qui va être sur les genoux. Mais en vrai, j'en sais rien parce que Dead Frontier 2, avec tous les trucs à fond, mon PC ça va. Je pense qu'il y a que des trucs qui sont gourmands en ressources mémoire. Où ça chie dans la colle. Par exemple, voilà, GTA 5, mon PC il est en souffrance. Mais bouge! Sans déconner! Escroc! Vous êtes juste un petit escroc, monsieur. Toujours sur Minitel? Non, mais je pense que c'est ma. Peut-être ma carte mère ou mes barrettes de RAM qui commencent à claquer. Sinon, là, mon PC il est super bien en vrai. Mon PC, normalement, il devrait tenir largement. Largement le pavé pour tous les jeux, là. Y a pas de soucis, hein. C'est un très bon PC, mais il commence à se faire la tronche, quoi. Donc il était très 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 bon il y a 3 ans, il y a 2-3 ans, c'était un très 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 bon PC. Là c'est un très bon PC mais malheureusement les trucs qui partent en couille quoi. Doucement, doucement. Je fais une belle remontada. Mais non mais c'est pas un énorme FDP lui. Ses parents ils seraient pas frères et sœurs siamois. Sans déconner quoi, les ch'tis en sont jaloux. Allez. C'est chaud. De quoi il y a un mode le mec. Tu vois, les zombies, quand tu les headshot, ils proposent du coup des munitions et souvent extrêmement réduits. Très cool. Ah, pas mal, ouais. Soirée, My Little Pony, Big Aventure. Mais ouais. Genre à foutre. Hein. C'est ton choix après. Hein. Tu t'assumes. Hein. T'assumes, il y aura ton nom écrit en gros. J'ai quoi comme carte graphique? J'ai une 960, je crois. Ou 980, je sais plus. GTX 960, je crois. Elle est bien. Elle est bien, mais voilà, je sens que c'est pareil, elle commence à accuser le coup, mais elle fait tout tourner, quoi, c'est pas un souci. Hein. 960, 980, je sais plus. Ouais, une minute, ça craint. Putain, je suis 14ème! Oh la vache! Oh putain, avertissement déjà. Avertoche. Avertoche, il a dit. Ah, j'ai pris un avertoche. Oh le bâtard. Oh l'enculé des bois, quoi. On reprend. Je peux faire tourner les jeux récents. Non, mais même pour des jeux récents, ça va. Hein. 960, pour faire tourner des jeux récents, tu les mets pas en ultra, mais tu les mets en très bonne qualité. Hein. Jusqu'à présent, j'étais à 5, je le faisais tourner en maxi. Hein. Là, c'est juste que je pense que c'est ma mémoire qui part en sait dessus. Mais championnat, on reprend. On reprend. Heureusement que j'ai 11 points à faire. Hein. Heureusement que j'ai 11 points à faire, les mecs, je vous dis. A knack here. Pas l'air très dur, cette course.
3 ans, je suis. Le championnat continue ici en Écosse pour les 15e et 16e manches à Nokia. Les qualifications pour la première course vont commencer. 60. Non, mais je changerai de PC quand j'aurai les moyens, c'est-à-dire pas de suite. Je pense l'année prochaine, l'année d'après. Je vais voir déjà si à la rentrée j'ai plus d'heures de cours, j'ai plus de machin, plus de moyens. Je prépare mes. Là, il faudrait vraiment que je m'y mette. Préparer mes projets pédagogiques pour l'année prochaine. Voilà, si j'ai plus de rentrée de rond en tant que prof, déjà ça va me mettre vraiment bien. Quoi. Ouais, j'imagine comment c'est plus les genoux, mais après, tu mets tout en moyen. J'imagine sur les jeux, sur les derniers jeux qui viennent de sortir, tu mets tout en moyen, le jeu il tourne tranquille quoi. Parce que t'as besoin d'avoir du ray tracing et compagnie. Enfin, moi j'en ai pas besoin quoi. Voilà, ce tournant, je sens que je vais pas le maîtriser de suite. J'avais essayé de tricher, ça marchait pas, hein. On était d'accord. Tricher n'est pas joué là, sur ce niveau. 54 secondes, c'est pas mal. C'est pas mal. Merde, j'ai pas assez tourné. Yomad, comment on va? Bonjour, bonsoir. Hey, where are you? Ok, ce tournant. Ouais. Oh non, j'ai tant. Enfin, tourner du rétro, ça ira. Tant que mon PC meurt pas, je continuerai. Voilà, je ferai principalement du rétro tranquillement. Au pire, après, je peux toujours capturer les consoles, quelles qu'elles soient. Voilà. Pour les trucs modernes, j'utilise la Xbox One S, la PS4 Pro, enfin, toutes les merdes. La Switch, la Wii U. La Wii U. Wii U, du coup, qui est trop bien pour capturer des jeux Wii U. Genre se faire. Il y a 3 RPG que j'ai pas. Enfin, non, il y a 2. Parce que le Xenoblade Chronicles, j'avais déjà fait. Il y a 2 RPG que j'ai pas fait sur Wii. Et que j'aimerais vraiment faire. C'est Pandora Tower. Et The Last Story. Que j'ai pas fait. Je les ai en édition. Tu sais, les éditions collector. De la Wii là en carton qui sont pas ouf, mais que tout le monde s'arrache. Moi je voulais celle de Project Zero parce que malheureusement le jeu était sorti que dans cette version là et je n'ai jamais réussi à la choper. Tristesse, tristement tragique. Bref, du coup, un de ces quatre, pourquoi pas se lancer là, dans l'aventure en sachant que déjà il faudrait que je termine en stream Elder Scrolls Arena et sur PS2 c'était Vice City Stories, je ne sais plus. Tokyo Mirage Session, je l'ai sur Wii U, ouais. Ouais. J'ai la trentaine de jeux Wii U intéressants, je les ai. Y les ai, mes amis. En fait, je sais pas si t'as calculé, mais t'as gagné un abonnement hier, Shinrai. J'ai offert un abonnement au hasard, c'est toi qui l'as gagné, quoi. T'as le collecteur de Project Zero Wii U. Je le veux bien. Je vais t'envoyer mon adresse si tu veux, Choupi, pas de problème. Si tu veux en même temps m'envoyer des spécialités culinaires de ta région, ça m'intéresse tout autant. Vagabond Kenshin, le vagabond. J'ai pas vu ton dernier message. Non, j'ai pas vu. Désolé, en plus, je me fais. T'es parti faire le goûter là, mais... D'accord, ouais. Bah, écoute, c'est avec plaisir. Après, tu l'as gagné par défaut, hein. fais pas le ouf. Tu l'as gagné par défaut, c'était au hasard. Faut que j'arrête de promettre des trucs. Parce que ça va me finir par me coûter très cher. Les collecteurs 3DS, ça compte, ouais, j'imagine. Enfin, après, en vrai, ça compte pas plus, pas moins que les autres. Moi, je sais pas. J'aime bien les collectors, mais pas pour le côté free. Moi, j'aime bien les collectors parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent. Moi, par exemple, le collector de Bioshock 2, je l'aime bien. Alors que Bioshock 2, c'est pas le Bioshock que je préfère. Mais le collector, là, avec le vinyle et tout, il est super. Super. Ah, j'ai une petite. Voilà. Je suis un vieux con, je suis un Zikos, j'aime les vinyles quand même. Forcément. Manga sur un célèbre samouraï. Ah, moi je me rappelais de Kenshin le vagabond.
Kenshin le vagabond, c'était trop bien. Ouais, il est joli le collecteur de BioShock, c'est super cool. Savoir que je l'ai acheté en même temps que le vinyle de Face No More, du dernier album de Face No More à l'époque. Les deux trucs, je les avais achetés pour une bouchée de pain, à un Cultura, je crois que c'était un magasin Cultura, qui se déstockait parce qu'ils n'avaient pas vendu quoi. Yo Lord, comment va? Bonjour, bonsoir. Très bon, my friend. Du coup, demain après-midi, si on finit le jeu cet après-midi, demain après-midi, on se fera tout ce que j'ai dit. Je pense que je prendrai les. Enfin, si ça les intéresse, Lord et Big Bass, je vous prendrai en vocal. Comme ça, je vous délègue peut-être le temps de faire des trucs. Je vous délèguerai quelques trucs pendant que je m'occupe des cartes mémoire et compagnie. S'occuper d'autres trucs, peut-être, je ne sais pas. Pas une obligation non plus, hein. Après, je peux me démerder. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire un lissage du. On va faire un lissage du marathon. Je vais essayer de la jouer safe. J'ai l'impression que je peux reprendre des trucs. Tu les as volés quand t'as volé quoi? Qui t'a volé quoi, Zifax? Dis-moi, je vais le chercher moi. Moi j'y vais, je m'envoie les steaks. Où que ce soit, j'y vais. C'est Codéine qui te l'a volé, ça m'étonne pas. Une gueule de. C'est toujours aussi qu'il avait une gueule de voleur. Oh le bâtard! Oh le petit con! Il a essayé de me têche comme une daube vulgaire. J'aime pas trop bien ça. 53 secondes. En vrai, il y a un ou deux tournants où je peux bien les gratter. Hein. Ce circuit a l'air pas trop dur. Enfin, en tout cas, je trouve que les adversaires, ils prennent vraiment plus que moi les. Enfin, ils sont en mode ultra sécure. Enfin, moi, je suis en mode sécure. Eux, ils sont en mode ultra sécure. J'ai rien dit. On a un déménagement. Ah ouais, Fable 3 et BioShock 2. Putain. Fable 3, j'ai pas aimé le jeu du tout. Déjà, le 2, j'avais. Enfin, c'est pas que j'avais pas aimé, mais. J'ai pas été saucé, quoi. J'ai pas été saucé du tout par le Fable 2. Et alors, le 3. Le 1 était bien. Par contre, le 1, j'adore. Je peux y rejouer n'importe quand, c'est toujours un plaisir. Il y a un petit truc qui. Voilà. C'est un jeu qui a une âme, Fable. Oh oui! Fable, il a une âme. Tu vois, les autres, je suis pas sûr qu'ils aient une âme. Le 2 et le 3, mais le premier, ouais, il a une âme. Quand t'as plus d'âme, tu désespères. Tu vas aller en enfer. Eh, je m'en sors pas mal, non? Pourquoi je parle, moi? Je sais que je dois. Faut surtout pas que je parle dans ces moments-là. Oh, tu l'as essayé de me gratter. Oh, j'espère que c'est menu! I hope it is menu. Et le 2, je n'ai pas été fan moi. Le 1, ouais. Putain, le 1, j'ai adoré. En même temps, le 1, je l'ai pris pleine gueule à l'époque. J'avais trouvé ça tellement ouf. J'imagine que le premier il est Ad Patres. Rappelez-vous, hein, Ad Patres, tout ça. 7 secondes, remarque, non. La save state de quoi? Jamais, jamais, tu m'as pris pour qui toi? Je suis pas guide rue, moi. Crudro. Ouais, ce tournant-là, j'ai l'impression que je peux bien les niquer, quand même. Pff, allez, on y croit. 6 secondes. Ouais, je peux peut-être le rattraper si je suis pas à chier. Donc, je le rattraperai pas, hein, soyez-en sûr.
Bah, je stay focus, les mecs, hein. Je regarde un petit peu le chat quand même, parce que j'ai le temps, enfin j'ai le temps. J'ai des moments, je pense que je peux checker le chat. Mais bon. C'est de la confiance. Bah si je suis premier, c'est gagné. Hein. Et en plus, j'aurai des points d'avance pour le... Pour le... Voilà. Alors, si je fais... Pas mal. Pas mal. Il est juste là, ce con. Alors, on parie combien qu'il va me sortir du... qu'il va me sortir de la course. Allez, combien on parie? Il va me tège telle une daube vulgaire. Parie quoi? On parie quoi? Là, je vais le doubler et il va me pousser comme un fétu de paille. Fétu de paille, paille, paille. Putain, je le tiens, ce bâtard. Choisis bien ton moment. Ouais, bah je pense juste avant ce tournant, ça peut être pas mal. Ah, j'aimerais bien savoir le temps que j'ai d'avance sur le... Ouh. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'espère que ça va pas me porter préjudice, ce petit coupi. Ah non, c'est bon. Allez, on prend son temps. J'ai failli faire de la merde, hein. Mais bon, on est habitué. On est habitué sur ce stream, y a pas de souci. Deux petites secondes. Salut. Yo Totor, comment va? Bonjour, bonsoir. Ah putain, il a réussi à le doubler direct. Ça c'est pas cool. Ça aurait été bien qu'il soit un petit peu derrière là, en mode chaud quoi. T'es tendu comme une crampe. Franchement ouais. J'ai pas peur de le dire, je suis tendu. Allez, toujours deuxième. C'était clairement pas ouf ça. Ouais, les émotes trick des voix, c'est gratos par contre. Bon, c'est partie des bonus quoi. Déjà que ça vous coûte du blé. En plus, y a rien derrière. Ça craint quoi. Enfin, je sais pas. Non, pas content. Ah, et dernier tour. Ah, je peux peut-être le doubler là. Ça va être un petit peu risqué. Là. Ça va être a bit risky. On va attendre. On va attendre. On va lui faire ce qu'on appelle, et au moins une fois, pour une fois, ça va être moi qui vais le faire, une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire un truc pas spécialement mérité. Et sur la fin, évidemment, sinon ça n'aurait aucun putain de sens. Hmm. Allez, accélère, accélère. Je vais pas y arriver, non ! Oh, dommage ! Deuxième. Au bout d'une course frénétique jusqu'au drapeau, c'est Menu qui remporte la victoire. Quel enculé ce Menu ! Voyons donc le résultat. Qui sera en pole position pour la deuxième course ? Rejoignons le circuit pour en savoir plus. Allez, on va essayer de faire un petit score sympa. Easy dude, ouais, dommage. Mais je suis qualifié pour la dernière course, mais là, ce serait bien que je fasse un bon score pour. Que je fasse un bon score pour avoir des points d'avance pour la dernière. Vraiment, ce serait cool. Alors, en tous les cas, je suis qualifié. Hein. Je crois que j'ai eu les points qu'il fallait. C'est une des plus belles courses de ma carrière. C'est une très belle course. Franchement, moi, en tout cas, je suis assez content. Quoi. Ouais, il fait chier ce Menu, bâtard, va. Menu, enfoiré. Menu. Je pense que je suis chaud. J'appelle tous les gens qui ont pour nom de famille Menu, je les incendie. Quoi. Ils comprendront pas. T'as pas honte, sans déconner? Oui,
Ah, c'est qu'un jeu, puis il y a des moments de grâce, des moments d'allégresse quand même. C'est dans l'adversité qu'on voit. Hein. On sait où tu te caches, menu. Et ici que je te bute. Ouais, 52 secondes. Pas mal. Ça me permet d'être évidemment 12e. C'est de la merde. Nous sommes prêts pour la deuxième course de la journée. Voyons donc ce qui va se passer. Ah, j'ai pas vu combien il me fallait de points. Yes. Départ réussi. C'est là où je vais faire de la merde, évidemment, vous le savez. Hein. Je prends mon temps. Je vais les doubler sur la durée. Ce sera beaucoup. Oh l'enculé! Oh, il m'a poussé. La poussette. Tout ce que j'aime pas, quoi. Je vais doubler. Quoique dans le tournant, des fois, c'est traître aussi. Faut pas que je double tout le monde non plus dans le tournant. Voilà. Tranquille. Tranquille. Prends pas trop de risques. Tranquille, on a dit. Simple. Oh le bâtard, il s'est mis devant moi, c'est dans le fils de... Salut. Oh dis-moi que c'est ce con de menu qui est bloqué là, ce serait trop beau. C'est plus dur que Gran Turismo, j'en sais rien. En tout cas, c'est plus fourbe que Gran Turismo, oui. Putain, il empêche. Il empêche de passer, c'est con. Oh, les cons, putain! Casse-toi, bah oui! Ok, ça va devenir un petit peu moins dangereux maintenant. Parce qu'il y aura des écarts entre les véhicules, ce qui va me sauver les miches en tout cas. Je vais pas te doubler de suite. Non, par contre, fais un effort. Moi, je veux bien ne pas te doubler de suite, mais si c'est pour rouler à deux à l'heure, ça va pas le faire vraiment. Impec. Je pense qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus punitif que Gran Turismo. Après, en termes de difficulté, je pense que c'est... C'est difficile à dire. Gran Turismo va être plus long, ça va demander plus d'engagement. Là, c'est vraiment... court, enfin court entre guillemets. C'est une vingtaine d'heures extrêmement pénible, mais c'est quand même 20 heures. Enfin, c'est quand même surtout, c'est tout le temps pénible. Alors que Gran Turismo peut avoir des moments plus faciles, des moments voilà, de préparation, etc. Chose qu'il n'y a pas forcément dans celui-là. You know what I mean? You know what I mean? Oh, enculé, putain! Oh, les frayeurs qu'ils me font, c'est un truc de ouf, ça. Bah oui, mais c'était su. C'était sûr qu'elle me tèche comme une dope vulgaire, ce con. Bon, ça va, c'est que le premier avertissement. Et maintenant, je me tire d'ici. Et je crie, évidemment, cui-cui. Hein. Cui-cui. Si je peux faire des bons scores quand même, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment cool pour la suite. Je joue avec quelle manette? Je joue avec une manette PS4 Revol, je sais pas quoi là, je me rappelle plus du nom. Je vous mettrai le nom. Nakon, je crois que ça s'appelle comme ça.
Du coup, là, je trouve que la croix, elle est vachement bien. En termes, non, on est mieux qu'une manette PS1 en termes de d'ergonomie, un petit peu mieux. C'est assez différent, Le toucher est différent. Pendant un moment, je vois la manette PS3, mais c'est chiant. Je trouve que cette manette, elle est cool. Putain, j'ai cru que j'allais prendre un Avertoche encore. Quoi. Les Audi, j'aime bien prendre des Avertoches sur les Audi, je trouve. De faire un petit dose encore, c'est toujours derrière ce coup de... Oh putain, je suis à chier. C'est pas grave, on va revenir. Ah, oh, je suis deg, j'ai fait de la merde. J'ai pris un risque inconsidéré, j'aurais pas dû. J'aurais dû... On va voir que là, ce que je fais, j'aurais pas dû non plus. Quoi. Oh, l'enculé m'a poussé quoi. Voilà. J'ai pris pas mal de risques. J'ai peut-être arrêté de prendre des risques inconsidérés. On va se concentrer. Je vous lis après, vraiment. J'essaie de vous lire sur le. Yo Max, comment on va? J'essaie de vous lire sur le... Puis j'ai bonjour. Il est con, putain. J'essaie de vous lire sur la ligne droite de toute... Allez, on y croit. Ah, moi, j'y crois, quoi. Avantagé par rapport aux joueurs qui l'ont fait à l'époque. Oui et non. Je sais pas. Pierre, t'as peut-être raison. C'est triché, c'est une honte. J'arrête d'essayer de le doubler, même si j'en meurs d'envie. J'arrête. J'ai envie de le doubler, c'est plus fort que moi. Je doublerai après. Je vais le doubler là, tranquillement. S'il me laisse le doubler. Oh le bâtard! Oh, qui m'a mis... T'as vu la pichenette? As-tu vu la pichenette qui m'a mis, ce Khmoum? Le plus grand de tous les Khmoumis. Putain, deux fois premier, ce serait magique. Ah, 5 secondes seulement. Je m'attendais tellement à plus. J'ai fait pipi dans mon lit. Oh, il m'a jamais fait ça. Il me fait un petit deux roues là en mode beau gosse. Mais je regarde pas Fast and Furious les mecs, moi j'en ai rien à foutre. Moi j'aime le cinéma, moi rien à voir. Si tu fais le calcul, tu vois bien qu'on n'y est pas du tout. Pas mal. On est pas mal sur ce tournoi. Franchement, je suis pas sûr de pouvoir rattraper le premier, mais. En tout cas, je pense que j'aurais pas démérité. Voilà. C'est le mot le plus important à retenir. Je pense que je n'ai pas démérité sur cette course. Je me suis donné corps, et bien, et âme, et tout. Pff, 8 secondes, ouais, non, c'est mort. Ah, quoique, il a pas encore essayé de doubler le dernier. Il peut se passer un truc. Ah, là, j'étais pas mal. Ah, j'étais pas mal, là. Ah, merde, j'ai trop tourné, là, par contre.
Allez. Pas sûr qu'il a encore doublé le dernier. 5 secondes, toujours ici en fait. Ouais, en fait, on fait pareil. Il prend de l'avance ici, puis je la récupère après. En vrai, je suis pas mal du tout. Quatre secondes. Ah! Mec, il y croit. Il est con, hein, mais il y croit. Voilà. Ferme-la et finis deuxième. Déjà, ce sera pas mal. Ferme-la, le double. C'est marqué là. T'as un panneau devant toi. Regarde-le, quoi. Je me le suis mis devant moi. Hein. Comme ça, je le... Voilà, s'il y a un souci, je regarde. Et de suite, ça me détend. J'aurai une belle avance pour la prochaine course, je pense. Hein. Moins que si j'avais fait deux fois premier. Il a fait... Ouh, oui. Jetons un coup d'œil sur les positions finales de la course. Enfoiré de menu, va. Et une foule en délire. You're pretty good. Lui lançait les bigorneaux. Du coup, on a combien ? 173. Sur le classement. J'ai... Il a creusé une case. Merci beaucoup. J'ai, je crois, 13 points d'avance. Faut que je fasse 7 points sur la dernière course. Je crois. C'est quoi ? Je vais sauvegarder en 3, comme ça il y aura plein de sauvegardes pour ceux qui s'intéressent. Faut que je fasse 7 points sur la dernière course. Et j'ai 2 heures pour le faire. Alors, on est sur Snéthéron. Ah, ça ressemble à un sgeg. Ça, c'est... Mais par contre, il n'y a plus les noisettes. Merci. Allez. Pour les 17e et 18e manches du championnat. Ce matin, la première séance de qualification a commencé. Voyons donc qui se dispute la pole position. Franchement, je pense que ça va être une de mes plus belles victoires sur un jeu. Snetterton. Ouais, on s'en fout. Peu importe son nom, les mecs. J'ai pas vu, en fait, si je pouvais... Enfin, combien j'ai... Est-ce que je peux être sur le podium? Enfin, le podium, oui. En gros, le jeu te force à être sur le podium. Si t'es pas sur le podium, fin du championnat. Alors, c'est ça qui est rigolo, parce qu'il y a un côté très arcade. Dans le sens où tu dois faire un score, un temps défini, finalement. C'est presque comme si t'avais un temps pendant la course, et si t'arrives pas à faire le bon temps ou la bonne position, t'es éjecté. Bah, évidemment, ok. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire parce que j'ai lu Aki Chomos. Qui fait ça ? Qui le lit déjà de base ? Oh, le con ! Tais-toi le double. Oh, ça, ça a l'air de... Oh ! Oh, la fourberie ! Et il est où le circuit de glace, par contre, m'avait promis. Hein. Je ne verrai pas ta victoire sur le jeu. Tu ne pourras pas surtout essayer de gagner, de me faire choisir le prochain jeu. C'est ça, la véritable souffrance, dit-il. Il n'y aura pas eu de course de glace, hein, du coup. Vous m'avez menti, les mecs. Parti trop tôt le petit ange, t'es ouf toi. Oh, 17 heures de jeu. Oh, tu sais, t'as plus d'un millier de jeux encore. T'as plus d'un millier de chances de choisir un jeu. Heureusement qu'il y a du sable. Heureusement qu'il y a du sable. Il y a le volcan, qui me dit. Le volcan, non, c'est pas Monster Hunter World, les mecs, on n'y est pas du tout, là. Attends, est-ce que je peux couper, sinon? C'est pas mieux de couper, je m'en rends pas compte. Si, c'est mieux, non? Si je garde mon top speed, en plus, j'ai juste allé tout droit, quoi. C'est bon, elle est gratuite, cette course. Je suis sûr qu'il fait ça dans le speedrun. 1-12, c'est parti. Peut-on considérer... Ah, voilà, c'est ça. Le jeu se veut simulation, mais
par bien des aspects, il est quand même. Enfin, il a des codes de jeu d'arcade. Notamment, voilà, le fait de devoir faire un certain temps ou un certain, une certaine position à la fin, etc. Il faut 7 points. Il faut 7 points, les mecs. Et une course bonus, on la fera. Vous savez quoi? On la fera. Testera les codes, on se fera un petit kiff. Ce serait dommage de pas le faire, quoi. Simulation de merde, oui! Oui! J'ai envie de dire oui! Oui! Ça, c'est dans. Et après, je sais plus ce qu'il y est. C'est après, il explique évidemment que le linge est le plus doux. Les 12 travaux d'Astérix. Ouais, c'est entre deux en fait, c'est ça le problème, c'est entre deux, mais. Je me fais les wads, hein, évidemment. T'as réussi à rajouter ras-le-bol, il y en a marre. Non. Non, c'est pas un taunt encore. C'est pas un taunt. C'est vous qui choisirez les prochains taunts avec des points de chaîne, en fait. Tu verras, je rajouterai des trucs. Je vais changer des trucs. On fera ça demain. Parce que du coup, je pense que les chances de finir ce jeu sont quand même assez élevées. Pour aujourd'hui et demain en fait je ferai ça en live, on discutera un petit peu du marathon et surtout je ferai les cartes mémoire et compagnie pour vous les proposer après sur un channel dédié sur le Discord pour que vous récupériez toutes les cartes mémoire pour que vous puissiez vous mettre des cartes mémoire PS1 de jeu si vous voulez. C'est quand le marathon? Mais c'est ça le marathon, marathon PS1. C'est ça le marathon console challenge, enfin peu importe le nom que tu veux lui donner, quoi. Du coup demain de 14 à 17 je ferai ça. Je mettrai en ordre un petit peu la chaîne, si tu veux. Je dis le marathon, mais on va dire. Oh le con, 48 heures gaming, non ça je ferai jamais. Parce que c'est un coup à se flinguer la santé, je trouve que c'est une bêtise. Rester 24 heures debout devant un écran. Je pense que je pourrais pas le faire. Ça m'emmerderait copieusement. Déjà 12 heures, je trouve que c'est long. 24 heures, non. Ça pourrait arriver après, hein, je vais pas te dire que. Mais bon. Honnêtement, j'y crois moyen. Oh, c'est un boss. C'est gratuit en fait. Elle va être gratuite la dernière course. Ce cut de bâtard. C'est qui le plus bon? On acclame le double, évidemment. Tu t'attendais à quoi? Même pas le temps d'un petit déj, quoi. Tour le plus rapide. Et à raison. Eh merde, c'est pas grave. Pourquoi bravo le Covid? Ah, tu dois braver le Covid pour chercher ton drive? C'est quoi de. Drive de quoi? L'album d'Incubus? Non. Ça peut pas être ça, ce serait trop beau. Ce serait trop beau si c'était ça, évidemment. Oh, puis j'arrive, j'ai plus de vitesse. Oh le con! C'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. Sixième. Ah, les courses, d'accord. Faut tirer au sort. J'espère pour toi, Choupi. Incubus. J'adore Incubus. Ça fait partie de mes premiers galops d'essai quand je chantais. Quand j'ai commencé à faire du chant. C'était sur du Incubus, du Silver Chair, un truc comme ça. J'ai toujours adoré chanter Incubus. Toujours très énergique, très belle chose. Je sais pas ce que ça vaut maintenant. Ça fait très longtemps... que j'ai pas écouté, là, les nouveaux albums m'intéressaient pas. Mais ouais. En tout cas, c'est une très bonne école pour apprendre à chanter. Ça et Mike Patton. Mike Patton, évidemment, c'est un peu le. Les McDo, alors ça, non merci, quoi. Franchement, c'est le seul truc qui me manque pas, c'est les Domac, les machins.
Je me fais des super repas perso. Oh le l'enculé m'a empêché de tourner quoi. Perso je me fais des super repas. Il y a la pizzeria qui a réouvert nous dans le village. Elle est très bonne. Ça suffit largement. Nice to know you. Ouais, ouais t'en as plein après. Tu chantes des trucs genre Mexico et compagnie. Love hurts. Ce genre de truc, tu chantes ça à une nana, c'est bon, c'est gagné. Quoi. grosse soirée en perspective. Tu vas chanter dans mon micro, pénis. Tu vas pousser la note. Le mi-molle. Pardon, pardon. Est-ce que je serais pardonné à la fin de ma vie pour ces conneries, je sais pas. Moi, j'allais au McDo genre une fois par mois, une fois tous les deux mois. Ça dépendrait. C'était souvent quand je prenais une cuite le dimanche, le samedi soir, le dimanche midi, on jouait à Zen Pinball et le perdant, il allait chercher le McDo. J'aimais bien le McDo le lendemain de cuite, je trouve que ça passe bien. C'est très étrange, je saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que ça passe bien. C'est plus Dépêche Mode, d'accord. C'est pas mal déjà. C'est bien. C'est bien d'avoir un registre hein, déjà. T'as des gens qui savent pas, des gens qui s'en foutent aussi. Vraiment. Mais ce shortcut, il est d'une violence. Je crois que je peux l'embellir, je suis sûr. Ah bah voilà, je perds même. Oh là là, est-ce que j'ai pas embelli mon shortcut à hauteur de 15 voire 16% là. Propre burger. Mais fais tes propres burgers, moi je fais mes propres burgers. Hein. De A à Z, hein, je prends de la viande de boucher et je me fais un kiff. Malheureusement, j'ai pas de boulanger qui fait du pain burger dans mon village. Mais pas loin, il y en a un qui le fait. Et qui du coup le fait pour moi, un pote à moi, qui a un resto de burgers. Qui est un des meilleurs restos de burgers de France. Il a été sacré champion de France de barbecue, catégorie burger, catégorie légumes et compagnie. Yo Tango, comment on va? Comment vas-tu ma douce? Bonjour, bonsoir. Comme je crois que j'ai gagné déjà. Ce cours c'est d'une gratuité, j'ai l'impression. On m'a mis la dernière course la plus facile du jeu, quoi. Ou alors c'est que ça y est, j'ai maîtrisé le jeu. Tristement. Alors là, il faut bien que je le prenne sur le T. Là. Voilà, je perds pas de vitesse. Oh, c'est kitsché de ouf les mecs. Mais j'ai gagné, regardez-moi ça, c'est pas possible. Par contre, on attend Choupi hein, avant de balancer la loterie. On va continuer à jouer, hein, c'est important. J'ai bientôt fini Nani. Faut prévenir Pop et tout le monde là, s'ils veulent essayer de gagner. C'est ma dernière course et je pense que je vais la gagner. Là, je suis troisième. Donc, on va dire qu'il va y avoir un tirage au sort dans la demi-heure. Ouais, j'aimerais bien qu'un pote gagne. Aïe, aïe, aïe. Ça passe. Du coup, je peux pas jouer à Blanc Manger Coco. J'y jouerai tout à l'heure, évidemment. Ah d'ailleurs, y a un Blanc Manger Coco en ligne. Si jamais, on aurait très bien pu y jouer en visio. À Blanc Manger Coco, ils l'ont mis en ligne gratuitement, je crois, justement, pour le mode confinement. Oh, je triche. Là, il marche bien, le Blanc Manger Coco en ligne, ou pas? Quelle course. La bataille a fait rage jusqu'à la ligne d'arrivée. Je crois que j'ai assez de points. Le reste, c'est de la littérature. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une pole position pour finir sur une pole position, enfin, tu vas faire vraiment le top là. Voilà, pole position, 500 abonnements, 8000 euros de dons, 600 000 bits distribués. Enfin voilà, vraiment un moment incroyable. Et chanter évidemment la chanson. Du dessin animé pole position, hein. Pole position rime avec passion. Je suis pas sûr du texte.
Oh non, pas cool. Quoi, comment ça couse? Quoi, comment ça couse? Je comprends pas comment ça. Comme ça, vous m'avez trahi? Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Ah, comment ça va? Ça va. Écoute, on fait aller, hein. On fait aller. On fait aller, on fait en sorte que... Voilà. Il fait beau aujourd'hui, putain, mais il fait un temps de ouf. On a mangé dehors, enfin, ça m'a fait du bien. En fait, j'arrive pas à vivre sans soleil, hein, c'est une horreur. Je n'arrive pas à vivre sans... Bon, tu sais quoi, une 12. J'y crois. Oh, une 5. Oh. Oh, une 5, c'est chaud. Même avec le raccourci. La deuxième course de la journée. Ouais, là c'est la dernière. Là. En sachant que là c'est je joue pour du beurre, j'ai gagné quoi. T'as le potager qui prend forme. Bah je voulais planter des trucs mais finalement mon fils il a plus envie de creuser. Vu que j'ai pas envie de creuser non plus, bah voilà, on en est là quoi. Là c'est vraiment la course pour le plaisir. Je pourrais même l'arrêter là mais. Je la fais moi, je veux des points. Moi je joue pour des points, mais là, je joue pour de l'argent. L'argent à mort. Putain, c'est le bruit de la tôle froissée, ça crée. C'est magique. Ok. Pas mal. On a un compte à régler avec menu, c'est clair, ce petit bâtard là. Bâtard de menu là. Oh petit bâtard. Jean-Pierre Software. Ouais. Les vrais connaissent. Les vrais connaissent. Oh le con. Bah, tu m'étonnes, premier avertissement. Même moi j'ai flippé. Ah, cette violence les mecs. Oh la remontada. Ça veut dire la remontée en... Je sais même pas. La vérité, je sais pas. Oh le con. Faire parler sandwich, no respect. On va faire premier, c'est sûr. Tais-toi le double. On te l'a dit. Ferme-la à tout jamais. C'est important. Yes. Oh le con, il est en train de me doubler. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est sale. C'est tellement sale. Eh, hey, une 5 80. Hey, on a fait une pole position, les mecs. Une 5 et quelques. On a réussi à faire une pole position. C'est beau, putain, les mecs, je vous jure, je chialerais hein, si je pouvais. Bon, d'ailleurs, je peux. Je verserais bien une petite larmichette. Ça va me détendre. En vrai, je chiale. Chialer, les mecs, chialer, quoi. Il faut de l'émouvance. L'émouvance, ça fait vendre. Acheter. Consommer, putain. Cliquer. C'est d'une émouvance. Ça aussi, ça c'est le CPF dans les Robins des Bois. C'est d'une émouvance. Tu m'appelles, m'interpelle pas. Je t'ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Je le fais très mal, PEF. Y'a que PEF qui sait faire PEF en même temps. Quelque part, voilà. Les jeux sont faits. Rappelez-vous le premier stream sur Toka, bah oui. J'étais là, les deux saisons de F1 sur Netflix. Sérieux, la F1 c'est sur Netflix maintenant? T'es pas sérieux? C'était pas sur TF1 là, le dimanche matin ou je sais pas quoi, enfin les trucs nuls.
Le tombeau des Lucioles. Ah ouais, ça, ça fait chialer, ça. Dites-vous que j'aime tellement ce dessin animé, le tombeau des Lucioles, que j'ai le bonbon, le truc, le paquet de bonbons pour la gamine, là. Encore scellé. Ouais, j'ai ça, ouais. Donc, à chaque fois que je le regarde, j'ai... C'est d'une émouvance! C'est véritablement d'une émouvance, là. Chialer, quoi. Yorachet, comment va? Bonjour, bonsoir. How are you, my friend? Bienvenue sur la fin de Toka, ça y est. C'est la fin, quoi. Alors, l'équipe est Toka, ish. On n'y a pas eu droit, finalement. Je trouve que c'est... Vous m'avez régalé. Quoi? Ah, mais c'est une vieille saison? Sans déconner. Quel intérêt. Oh, par contre, sur Netflix, j'ai vu, il y a un truc sur Michael Jordan, enfin, sur les Bulls. Ça c'est cool, mais il n'y a pas toute la saison. Ouais, ça va nickel, je te remercie. Ça va nickel, Chrome. Ce jeu va être terminé en bonnet difforme. On va se faire un kiff, après on essaye les codes et tout. Ça va être bien. Quoique, j'ai pas fini. Hein. S'il faut, c'est pas la fin. S'il faut, c'est même pas la fin. Que je me dis, je suis là, je suis détendu, peut-être prendre le soleil. Faute. S'il faut, il y a deux saisons. C'est un jeu qui ne finit jamais. C'est un espèce de Nakamura. Putain, je parle plus. Oui, c'est ça, Dai Nakamura, je crois. C'est un espèce de Ghost and Goblin, hein, évidemment. Voilà. Je vais arriver, mais on va dire, mais non. Ouais, je voulais le faire en legit. C'est pour moi. C'est pour me faire un petit kiff. Et on me dit, voilà, faut le finir une deuxième fois parce que t'as pas le bon véhicule. Faut que tu reviennes avec tel véhicule. Différent, d'accord. Ok. Ouais, donc ils ont rajouté une petite intrigue, ouais. Ils ont ajouté une espèce de plot. T'as 9 secondes de retard par rapport à la pro. Ça me fait gagner beaucoup de temps, en fait, ce raccourci. Mais de ouf. Bon, peut-être pas 9 secondes non plus, mais j'irai au moins 5. Je gratte au moins 5 secondes, en fait. Avec ce petit raccourci, il est vénère. Il est vénère, ce raccourci. C'est quoi cette dernière course qui est offerte, quoi? Quand tu vois que t'en chies, mais tu en baves des ronds de chapeau. Je vais mettre une bad ending. Ouais, je pense que si t'es pas premier, c'est la bad ending. C'est sûr. La good ending, c'est premier. Là, je vais faire que podium. Donc c'est pas ouf, quoi. Podium, gros film, attention. Le cinéma français a son meilleur. Espèce de roi Enoch de la comédie française, quoi. Tu vois que je vais même pas finir premier. Mais tu vas voir que je vais pas finir premier. Je refais le jeu avec la pire voiture. Joue en mode hélicoptère, ouais. Alors ça, je comprends. Faut m'expliquer le délire de la caméra hélico. J'imagine, hein, que bon, c'est juste pour le délire, rien de plus, quoi. Juste pour dire, voilà, si tu veux, tu peux regarder un hélicoptère, voilà. Pour te dire, voilà, ça vit, en fait. Autour du circuit, ça vit. T'as un sprint d'hélicoptère qui se balade. Sauras-tu le retrouver? Peut-être ça peut être rigolo quand tu vois l'hélicoptère, tu te mets vite fait en caméra hélicoptère. Comme ça, tu vois ta voiture passer, c'est joli, hop, tu repasses en vue normale. Mais bon. Elle est gratuite, cette course, c'est une horreur. Elle est vraiment gratuite, quoi. Ouais, on va tester les cheats. Oui, ce que je te dis, des fois, tu vois l'hélico. Donc, quand tu le croises, hop, tu te mets vite fait en vue hélico. C'est d'une émouvance. Voilà, tiens. Quand on parle du loup. Ah, j'aurais pas doublé le dernier. Ah, si, sur la fin. Sur la fin, voilà, je mets un tour sur la fin. Allez, salut, merci, au revoir. J'aurais pu finir en marche arrière, tu sais, le style, pour vraiment cracher à la gueule du jeu, mais non. Voici comment s'est terminée la course. Ouh, oui, dans ton cul menu, putain. Oh, Captain Poon, comment vas-tu?
pression qui disparaît. Enfin, attends. Eh, je suis deuxième. Deuxième, 198 points. Menu fait cavalier seul en ce moment et il ne sera pas facile de le rattraper. Ah putain, c'est pas fini. Attention, c'est pas fini. C'est peut-être pas fini. Tricharge en 3, CM Disco, CM Toon. Allez, je note. Je crois que c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors que le championnat touche à sa fin, nous voilà de retour à Froxton. Voyons donc le déroulement des événements c'est de pas la fini. Première séance de qualification. Il reste une course, hein. Ou pas. Heureusement que j'ai fait un bon score normalement. Et là d'accord, là ça va être une dernière course bien vénère, je pense. Non, le jeu ne s'avoue pas vaincu. On l'a pas fait, on l'a pas fait cette course. Putain, et heureusement qu'on a fini deux courses assez rapidement. Hein. Pas que j'ai parce que. Voilà, enfin, non. Pluriel. Oh, mais c'est bon, j'ai suffisamment de points. J'ai pas besoin de faire de points là. J'ai pas besoin de faire de points, Lani. T'inquiète pas. Si c'est vraiment la dernière course, même si je finis dernier, j'ai gagné. Vu ce que j'ai mis au jeu, je lui ai mis dans le cul, Lulu. J'ai déjà fait cette course, t'es sûr? Non. Non, non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien du tout. Ah ouais. Ah si, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Le nouveau pilote de Honda. Faut 14e. Il est temps de rejoindre notre première course de la journée. Bah, je crois que c'était la fin. Suivre l'action. Il me faut 2 points sur le circuit. Il me faut 2 points. J'espère que c'est la dernière course, hein, parce que c'est chiant. Mais bon. Il n'y avait que 9 courses. Pourquoi je la refais? Attends, j'espère que je vais pas devoir faire tout le championnat à l'envers. Évidemment. Évidemment. Il n'y a pas trouvé un moyen de gratter du temps d'ailleurs sur celle-là. Je ne sais plus. On verra. On verra. Ah, il y a 12 courses. Ah putain, ah oui, alors mais c'est pas. Oh, on va pas le finir alors. Oh là là les mecs, c'est pas fini hein. Il reste 3 courses quoi. Ah, je suis dégoûté. Ah, c'est le dégoût. Le dégoût. Qui m'a dit 9? Oh oui! On fait pour voir. Ah, yes, merci, Lord. Merci, désolé. Ah, il y a 24 manches. Ouais, donc ça va. Everybody say. Merci infiniment, Erwin. Merci infiniment pour le sub. Très, très apprécié. Tu contribues à l'onde meilleur. Et ça, c'est beau. Comment on va? Bingo bienga.
Ouais, c'est beau. Putain, je suis deg, hein. 12. Ça fait mal, franchement, ça fait mal à la gueule. Hein, je me dis, là, ce jeu, c'est un putain d'ascenseur émotionnel constant. Mais cette course, je la connais un peu, donc ça devrait aller un peu plus vite. Je reviens, je vais ranger le champagne. Tu peux, ouais, putain. Pourquoi je pensais que c'était 9 courses? Quelqu'un m'avait dit ça, et du coup, j'y ai cru bêtement. J'ai besoin d'un câlin, les mecs. Ouais. J'en banne un ou deux là. J'en banne un ou deux là. J'ai choisi court, je crois. Enfin, je crois. Oui, parce que le long, c'est juste que t'as plus de tours. Ouais, ça va, je gère un petit peu. Le long, t'as juste plus de tours. T'as pas plus de... Mais non! Merde, putain, fais chier. Allez, fonce, fonce, fonce. C'est moyen de faire des bons scores, là. Quel dommage. Je sais pas, c'est quoi, mange 24. Bah, il reste 3 courses, du coup. Il reste 3 courses en comptant celle-là. En sachant que j'ai une belle avance, donc heureusement. Heureusement, j'ai une belle avance. Je vais essayer quand même de la maintenir. Pour que si vraiment j'ai une course à la con, genre si la dernière c'est vraiment une course de merde, je puisse la glisser quoi, sans m'emmerder. J'essaie de faire premier à la prochaine course. Là j'ai moyen, je pense. J'ai pas envie de recommencer. Je recommencerai si je fais pas premier à la suite. Ah mais je suis généralement je maîtrise un jeu quand c'est la fin. Donc là c'est bientôt la fin, je commence à être moins dégueulasse. Merci mon cœur. J'ai besoin d'un câlin, le jeu n'est pas fini. Je suis dégoûté. Qu'il y en a qui attendent pour pouvoir cliquer. Bah oui. Il y a encore 3 courses, je suis dégoûté. Merci mon cœur. Cam. Trop tard Tango. T'as un bisou de Tango. Mmh, 15h30 l'heure du goûtal, toujours. Ouais. Moi, je suis un papy, moi. Je suis le papy du goûter. Cherche pas. En vrai, ça veut dire qu'il me faut. Je suis à combien de points là? Il me faut 42 points. En 3 courses. Sur cette course, je suis sûr que je peux faire 30 points. À Foxton pour la 19e et la 20. Voyons quelles ont été les performances des principaux concurrents durant la. Vous savez quoi, on va gagner du temps. Fin de qualif. Je suis persuadé que je peux faire premier en commençant 16e sur cette course. Je peux le faire deux fois. Le nouveau pilote. Les voitures s'alignent à présent sur la grille de départ et s'apprêtent à entamer la manche. Rejoignons la piste. Plus que je ne me fasse pas zouzer par les adversaires, mais là la course elle est assez large, donc en fait j'ai moyen quand même de faire quelques trucs intéressants.
Oh le con. Ah oui non mais c'est sûr si je me fais fumax par Jean-Francis tantôt, ça va pas le faire. Ouais bon ce gâteau. C'est très bon. Pas trop tard de différer. C'est mignon. En fait, j'aurais pu faire deux fois premier déjà la course précédente pour me faire un petit 200 et quelques où j'aurais été encore mieux. Mais bon, peu importe. Si je reviens sur les anciennes courses, ça serait bien que je revienne sur la toute première. La toute première, rappelez-vous, j'avais fait top 1 mais sans forcer. La première course. Durant la première séance de qualification. Allez. Juste que je ne me fasse pas zoomer sur les deux premiers tournants et après c'est le vrai glisser. Il est temps de rejoindre la piste où les voitures sont prêtes à entamer la première course. Bon départ, ouais, bon départ. Et là ça va chier dans la colle. Attention. Pourquoi? Why is it is, motherfucker? Ça passe, c'est bon. C'est rien. Why is it is? Ouais, je parle américain. Rechoupi. Bon, ça, t'as le temps. En fait, il reste encore 3 courses. Mais j'ai de l'avance. J'ai de l'avance. Là, je dois faire 2 points. Je vais essayer de faire beaucoup de points pour être tranquille. Mais c'est pas fini, tout va bien. Voilà, le jeu me zouze comme jamais. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'y arrive plus? Je crois que j'ai plus envie en fait, c'est pour ça que j'arrive plus. J'ai plus envie. J'ai plus envie de me faire chier. Une tarte au chocolat. Pardon. Je parle et je mange en même temps comme un gros sac. Je vous en ai même pas proposé en plus, vous en voulez? Nous sommes donc de retour. Voyons quelles ont été les performances des principaux concurrents durant la première séance de qualification. Bon, c'est le mien normalement. Normalement c'est le mien. Je vais essayer de me placer. Je vais en train de chier si je place. On ne voudra pas. Ouais mais moi je m'en voudrais. Oh mais ça me casse les couilles. De ouf, j'arrive plus à rien là, je suis déconcentré de ouf. Ça va, je te remercie. Les voitures sont prêtes à commencer la petit ascenseur émotionnel, je pense avoir fini le jeu, puis en fait pas du tout. Il me reste 3 courses, mais bon, je pense que je vais pouvoir les glisser sans trop forcer, j'imagine, je ne sais pas. J'espoir. Oh l'enculé! Vous êtes témoin! C'est pas beau dans celui-là. Non, c'est pas beau. Oh non, pas beau. Faut pas trop que je tourne en fait. Mais non, ta mère! Ah, je suis dégoûté, quoi! Sans déconner! J'arrive plus à rien, quoi! Ça, il fait beau dehors, je pourrais être dehors à m'éclater, quoi!
que je fous là, quoi. Où est passé mon règne de Faluche, quoi. Ouais, bah éclatez-vous les mecs. Éclatez-vous, c'est ce que je te dis. Ah, je vais y arriver. Bien. La musique fera me dire, ouais, je vois pas. Le nouveau pilote de Honda a vraiment eu du mal et il a terminé loin des premiers. Il est temps de rejoindre notre première course de la journée. Allons donc suivre. Ouais, si je finis les trois courses en une heure et demie, je ferai un abonnement. Ouais, je me mouille pas trop, on est bien. Ouais, j'ai moyen de me mettre bien, quoi. C'est pas chier. Oh, tu me tèches comme une daube à chaque fois, c'est chiant ça. Oh l'enculé! Il est pas sérieux ce jeu, sans déconner. Il est pas sérieux ce jeu. J'hallucine, quoi. Il m'arrive des trucs qui m'arrivent jamais. Mon fils qui s'est réveillé, je crois. Il est tonique. Bah, ouais, en même temps, il fait soleil aujourd'hui, donc là, il est ultra tonique. Ce matin, c'était bien. Putain. Il était énergique, tonique le gosse, tonique! C'est quoi les deux prochaines courses? C'est comme ça pour info. Mais non! Mais il est pas sérieux ce jeu, putain, j'arrive plus à rien. J'aurais pas dû m'arrêter tout à l'heure quand j'étais 9ème. J'aurais dû glisser, tant pis. Je n'arrive plus à rien. Bon, on va s'entraîner. On va s'entraîner. Il dort pas, mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il dort pas, ce petit? Pourquoi tu dors pas? Aïe, aïe, aïe. Maman, elle aimerait bien que tu la rendes folle, si tu pouvais courir partout. Je suis machiavélique. Nous sommes donc... Voyons nous sommes donc dégoûtés. Ça qui veut dire le jeu. Ah grave, ça va bien se passer. Il est temps de rejoindre notre première course de la journée. Allez, allons donc suivre la. Pour un règne de Faluche, tapez 1. Je vois ce qu'on m'a goûté, ouais, c'est vrai. Mais ça vaut le coup, c'est vrai. Oh, le gros fils d'up, quoi. Oh, j'en ai marre, en vrai. J'en ai marre. Putain, j'arrive pas à juste à gérer le début de la course, quoi. J'arriverai à gérer le début de la course, après, ça devrait aller à peu près, quoi. Ah, putain, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. J'utilise les codes au pire pour les dernières. Eh non! Mais non, parce que si j'utilise les codes, en fait, je dois reprendre du début. Donc ça ne représente aucun intérêt. Nous
Nous sommes donc de retour à Truxton. Nous sommes à Truxton. Yo, je me pense bon bien. Bonjour, bonsoir. Tout c'est l'idée. Très bon, my friend. Il est temps de rejoindre notre première course de la journée. Allons donc suivre l'action. Ce jeu semble nul. Il est très bof, ouais. Enfin, surtout qu'il est foutrement injuste. Il est foutrement injuste, ce jeu. Je me foutais, évidemment. C'est le jeu. Allez, ça part de là. Ça part de là. Ou pas, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Ah! The Ace of Spades! The Ace of Spades! Giving back to you! Voilà. Ça me détend le Motorhead. Quel jeu de merde, vraiment. Je l'avais pas ressorti encore là. C'était trop détendu depuis une heure et demie. Quoi. Ce jeu qui t'offre des infarctus pour des sommes contre des sommes modiques. Oh le bâtard. Parce qu'elle fait mon top speed. The Ace of Spades. Quel énorme FDP! Mais quel énorme FDP! Mais ses grands-parents, lui, c'est combo! C'était papy et mamie, tondu! Ils ont tondu les deux, quoi! Ils n'arrivaient pas à savoir qui. Voilà. Bref. Ouais, je vais trop loin, ça va! Évidemment que je vais trop loin, toujours trop loin. C'est pas très rentable ce que je viens de faire, j'ai l'impression. Je le gère moins bien qu'avant, ce moment d'intrépidité. Palpitant en déroute. C'est qui gueule? Pourquoi il gueule ton voisin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait à ton voisin aussi? Aurais-tu passé le message à ton voisin? Rester à 200 maxi. J'ai l'impression qu'au-dessus, c'est extrêmement périlleux. On va par là où ça peut aller. Évidemment. Un règne de faluche. Voilà, c'est ça que je veux faire et apparemment c'était de la merde. Alors que je viens de faire un tour le plus rapide, ce que je n'ai pas clair. T'es dixième ou pas? C'est pas clair. Je l'ai doublé puis m'a redoublé ou il m'a juste doublé? Il y avait personne devant moi.
Enfin, il picole, il s'engueule. C'est-à-dire qu'en ce moment, on picole beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je vois... Oh, quel énorme fils de pute. Mais quel énorme fils de pute, quoi. Oh, putain, mais j'en ai tellement marre de ce jeu, quoi. Sans déconner, quand tu vois... Sans déconner, quoi. Putain, mais l'engagement que ça te demande, ce jeu de merde. Tout est flingué, quoi. Tout est flingué à la minute, quoi. Je suis dégoûté, les mecs. Dégoûté. J'ai pas l'impression de gagner du temps avec cette combinaison merdique. C'est pas clair. Là, il y a un petit rebond en fait. C'est pour ça que des fois je me mets dans la merde. Ils m'ont mis un petit rebond ces FDP. Je crois que 10 points c'est 0 en plus. Enfin, dixième, c'est il n'y a pas de points. Je crois que c'est à partir de huitième où tu gagnes des points. C'est chier. C'est chier. Quoi. Quoique, peut-être pas. Mais bon, dans tous les cas... On va un peu ralentir ici. Et après, ça devrait le faire. Voilà, là, j'ai pas besoin de freiner non plus. Juste, je lâche l'accès. Là, je devrais avoir récupéré un petit peu du temps. Normalement, j'ai un bon top speed avec cette caisse. Donc tout ça n'est pas véritablement clair. Du temps, je suis à quoi? Une 15, ouais. C'est pas mal une 15, je sais pas. Je me rends pas compte. Que nous dit le règne de Faluche? Il dit qu'il a pas l'info. Non. Là, faut que je fasse gaffe. Malheureusement, à pleine vitesse, des fois, le jeu est extrêmement taquin. Bon, c'est pas grave. Oh, l'enculé, il a failli. Auto. J'ai failli m'auto. À 233 km/h, je le rattrape même pas. Donc en gros. Non, putain, l'enculé de toi! Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh, c'était le moment ou jamais d'essayer de prendre un peu de risque et gagner une place. Pire, j'ai pas perdu place. Ça fait chier. Victoire confortable de Menu finalement. Qu'il aille enculer sa sœur, Menu. Voici comment s'est terminée la course. Et il met un coup pour moi. Il arrive tranquillement sur sa sœur, la rien demandé. Bim, il y a un coup pour le. Ça peut être considéré comme une incitation. La pole position de la deuxième course voilà. Se joue maintenant. Par les crétins. Enfin. Pas par les gens comme nous, quoi. On arrive quand même à voir. Mais les crétins, tout est possible. Le nouveau pilote de Honda a eu du mal. J'ai toujours du mal. Maintenant, rejoignons la deuxième course. Vous faut un point. Faut que je refasse dixième encore. Dixième, c'est un point. Je me suis fait chier pour un point. Je suis dégoûté, mec. Ça fait chier pour un point. J'aurais appris un truc, hein. Après, est-ce que c'était vraiment intéressant? C'est pas sûr. Mais voilà, si jamais si vous vous posez la question. Fils de pute. Un cortège de fils de pute. Voilà. Cortège de... Ouais.
course d'après, j'aurais fait un max de points. Ah oui, si les courses d'après sont pas... Ça dépend lesquelles après. Il y en a, je galère pas trop. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, je galère de ouf. Je sais pas pourquoi je galère de ouf sur cette course. En vrai, je devrais pas. Quoi. La pluie, non, est-ce qu'il y a vraiment que la pluie? Nique ta mère le jeu, à un moment donné! Je fais du bien, hein, je vous jure. Hein. Ça, wouh! Alors. Ah oh, putain, j'en ai plein le cul de ce jeu de merde. Jeu de nage. Mais j'en peux plus! Bah exactement. Vous savez ce qu'on va faire? On va être malin. Charger jeu. On va être malin. On va charger celle-là. Je vais faire deux fois premier, comme ça j'aurai les 30 points. Comme ça, cette course, on va pouvoir complètement l'éluder. Tu vois, c'est-à-dire... rien à branler. Mais voilà, sur Snettertron, mes couilles, on peut faire Snetterton. Snetterton. Il y a moyen, sans forcer... Nous nous arrêtons à... Voyons quels ont été les... De faire premier. Tout c'est lié grâce à un subtil trucage. Les voitures sont prêtes à commencer la première course. Allons donc les rejoindre sur la grille. Ça fera toujours moins de points pour menu en plus. Ça fera toujours moins de points pour cet enculé de menu. Ce voleur de poule. Ce violeur de poule. Putain! Mais quel jeu de merde à un moment donné, quoi! Non, non, je me suis pas trompé de save, non, c'est celle-là. Celle-là, je vais faire les 30 points. Ça, j'avais pas fait 30 points. Donc là, je vais en faire 30. Comme ça, à l'autre course, j'ai pas besoin de faire de points. Oh, avertissement. Avertissement de ta mère. J'avertis ta mère. C'est le capitaine Caverne qui avertit là. Capitaine Caverne. Et hop. Gratuit. Cette course est gratuite. Alors, autant se faire, qu'on se ferait pas chier. On va récupérer. Je t'ai niqué. Trop tard. Casse-toi. Je t'ai niqué, j'ai dit. Quoi? Deuxième avertissement. Mais t'es pas sérieux. Mais ta grand-mère, ils l'ont même pas tondu, toi. Ils l'ont scalpé, c'est sûr. Avertissement de quoi? Sans déconner. C'est lui qui me fonce dessus. Quel jeu de merde, putain! Donne ton carnet. Le problème, c'est que prochain avertissement, c'est je perds, quoi. Prochain avertissement, c'est... Ouh, j'ai failli me faire dégager par le jeu, très bizarre. Je me allez, deuxième. Ça part de là. Le reste, c'est de la littérature. Cette course elle est gratos. Donc je vais prendre mes 30 points tranquillement. Et puis comme ça l'autre course je vais juste la finir. Si j'arrive à prendre un ou deux points tant pis. Enfin tant mieux, sinon tant pis. Je vais pas me faire chier. Faut être malin à un moment donné. Me fait suffisamment chier comme ça, je pense, les mecs. C'est quoi ça, le remake de La Croisière s'amuse? Tire-toi, Kojak, à un moment donné. Oh, c'est bon ça!
Il a plus un poil sur le caillou, le monsieur. Sur le caillou, ça va sur le caillou. Yo Mister Tix, comment on va? Merci infiniment pour tes 27 mois d'abonnement. Très très apprécié, merci beaucoup. Tu contribues au monde meilleur. Et ça c'est beau. Comment va Mister Tix, bien? Bienvenue sur mon putain de calvaire, hein, évidemment. Ouais, ça va, ça va. J'en bave des ronds de chapeau, ce jeu, c'est une merde sans nom. Mais on fait aller, écoute, hein, on fait aller. On fait aller. La putain est là, la misère s'adresse, la misère est du vrai, la misère est du faux. Ouais, alliance ethnique quand tu nous tiens. Je sais pas, si fou là, alliance ethnique. La merde. Et hop! Allez, salut menu! Bonjour à ta sœur! Pas de sœur? Chier. Pas vanner correctement ces jeux là. Wow, doucement ma douce. Mais attends, sur Gran Turismo 2. Non mais Gran Turismo 2 il est bien. Attention. Menu sur 20, on verra. Menu fretin sur 20. Va chier menu. Il va prendre peut-être. Va chier menu sur 20. Ça peut être pas mal. Ou enfoiré de menu. Hop, exclamation play. Mais qu'est-ce qui t'arrive à Kishomos, toi? Putain, mais je gère pas ce tournoi de merde, ça rend fou, ça aussi, quoi. Tu veux gagner le RAFO, mais tu l'auras jamais. La loterie, le derby loterie, les mecs. Raffles, c'est tellement 2018. On a avancé entre temps, les mecs. Maintenant, c'est le derby loterie. C'est fini, les raffles. Personne fait ça. Doucely. Doucely, Mister Le Double. Pas beaucoup d'avance. Oh, oh, oh! Holy fucking shit! Allez, salut! Du coup, demain, il y a peu de chances qu'on fasse ce qu'on était censé faire. Mais bon, cela n'est pas grave. Oh! Oh, oh, t'as l'air bien con, toi! Ça fait plaisir! J'aime ton grain de peau, j'aime ta façon de prendre la lumière, j'aime toi. Ouais. Bah, très bien. Voilà, j'arrive au dernier, c'était parfait. Produit zombie qui nous demande évidemment un booster de Bigorno, s'il vous plaît. La gratuité de ce tournoi. On a plus de modérateur ou quoi? Is there the moderator in the place? Oh, puis en plus menu, les troisièmes, elles se battent.
Moment d'intense allégresse. Fin de la qualif, on enchaîne. Qu'est-ce que je peux avoir contre 8000 billets? Une super carabine ou une mini cuisinière? Manger chaud, c'est tentant. Mais faudrait être gogol pour refuser une arme. Te fous pas devant. Niquez tous vos mères. Niquez tous vos darons, putain. J'en peux plus de ce jeu de merde, quoi. Même quand tu dois gagner, ils essaient quand même de t'enculer, quoi. Allez, vas-y, profite. De toute façon, je vais vous niquer, crois pas. Ah, tu t'imagines des trucs, mais non, faute. Vous avez déjà perdu, quoi. Omaewamu, dans ton boule. 720, no scope. Ouais, y'a pas de scope, là. C'est un budget, les mecs, le scope. Quel jeu de merde. Même sur cette course, alors qu'il va trouver le moyen de me faire galérer. Allez, cassez-vous. Cassez-vous. Voilà. Déjà, 9e, détendu du gland, décontracté du gustring, no problème. Mais nique-toi avec ton avertissement de fils d'op, quoi. Joli looping. Mais après, tu crois que c'est l'agence touriste ou quoi? Looping. Comment il va le nain? Il va bien, écoute, je te remercie. Il va bien, pète un peu un câble en ce moment, forcément, je pense comme tous les gamins. Pas voir les grands-parents, pas voir la famille, pas sortir véritablement. Je pense qu'il devient fou. Ils deviennent tous un peu ouf. Oh les enculés. Ouais, en tout cas, ça se passe rarement sans accro, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, troisième, encore deux. S'il y a des colos cet été, tu vas douiller. Je suis pas sûr qu'il y ait des colos quand même. Enfin bon. Moi déjà, leur délire de réouvrir le 11 mai, moi je mets personne. Je mets aucun gamin. Moi je mets pas moi ça. De toute façon, je pense que la crèche ne sera pas ouverte le 11 mai, donc le souci de la question se pose même pas. Mais dans tous les cas, ouais, non, j'aurais pas. Yes! Yes! Quatre secondes. Autant dire un tournant. Un tournant coupé de main de maître, là comme ça là. Hop. Voilà, premier. Allez, salut les mecs, merci beaucoup. C'était le double. Puis je te mets un tour le plus rapide dans ton petit cul, ça c'est pour moi, ça me fait plaisir. Je te mets une pole position en plus, 1 minute 5. C'est la pole position ça. Ah, ils sont derrière quand même. Ils sont derrière ces petits cons. Pas mal. Faire un temps de pole position sur ce jeu, ouais. Il suffit de. Après, je pense que quand tu maîtrises le jeu de ouf, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui doivent maîtriser le jeu de ouf, hein. Doivent vraiment être technique. Moi, le truc, c'est que je suis pas technique du tout. Je galère. Hein.
Les gens peuvent bien bien maîtriser le jeu, quoi. Il y a moyen peut-être de faire des pole positions legit, j'imagine. Enfin, j'espère. Parce que sinon, c'est pareil, quoi. Les mecs qui ont fait les tests avant, avant mise à disposition du public, puis la merde, quoi. Encore des mecs de console plus, peut-être. On ne sait pas. Je dis ça au hasard. J'ai eu le point con. Enfin voilà, tous les gens pseudo-journalistes, quoi. Les vendeurs de publicité, comme on les appelle, évidemment, dans le milieu. Ah, petit hélicoptère. Non, pour moi, le jeu, oui. C'est pour ça que je dis que cette course est gratuite. Parce que si je pouvais pas couper, je pense qu'elle le serait beaucoup moins. Hein. Il y aurait quand même beaucoup moins de gratuité. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Ah, mais sur quasiment toutes les courses, ça me replace, hein, Totor. Jusque-là, je sais pas pourquoi, sur cette course-là, ils ont dit bon. Cette course-là, t'arrives jusque-là déjà. Franchement, Sartek. Ners. Prends les 30 points, va, file. Allez, va. Et tu dis rien à personne. Hein. On s'est pas vu. Allez, va, va. Une fois que t'as fait 20 mètres, ben en fait, il te met une balle entre les deux omoplates, quoi. Te tue pas, tu sais, il te paralyse à vie. C'est ça, la philosophie de ce jeu. Pensez-y, les mecs. Pensez-y. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ouais, je chante du Paul Naref ou je sais plus qui, pas de problème! Pas de problème, moi, j'ai peur de rien! Ouh, j'ai géré, non? Je vais leur mettre un tour. Entier. Enfin, directement là, quoi. C'est pas clair ce que je dis, ouais, je sais. Oh, pourquoi ça pue? Pourquoi ça pue? Mais quelle bande de fils de pute, quoi! Même dernier, faut qu'ils aient une folle envie de t'enculer, quoi! Radez-moi ça! Non, mais rade-moi ça, quoi! Putain, on dirait des journalistes de Yann Barthès, quoi. Rends-moi ça. Yann Barthès, moi. C'est les mêmes, quoi. Des espèces de piranhas, des sangsues, quoi. Des vampires. Je cherche. Ouais, t'as pas tort. T'as pas tort. Ouais, non, c'est moi. Non, mais c'est Yann Barthès qui dit à Morandini, t'es qu'une sombre merde et une pute à buzz, quoi. C'est pareil, je me fous de la gueule du monde, je sais. Je la mets en marche arrière, enculé. Jetons un coup d'œil sur les positions finales de la course. Je lui mets en marche arrière, quoi. Voyons les positions au classement du 203 points, voilà. Déjà, c'est quand même beaucoup plus. Ouais, je suis pas mal. Sauvegarder la partie, évidemment. Je la sauvegarde ici même. Oh. Je me suis fait un kiffou. Fallait. Moment d'année, fallait. Triche argent, 3. Du coup, j'ai 3 fois première place, 3 fois deuxième place. Ce qui est pas dégueulasse. En sachant qu'à mon avis, je n'aurai plus de podium avant un moment. Du coup, il me faut 37 points en 3 courses. Voilà. Ainsi, il me nous faut sommes de 37 matin, points en 3 questions à commencer. Voyons donc qui se dispute la pole position.
Non, on perd pas de temps, cette course est emmerde. Cette course m'emmerde. J'ai envie de la glisser. Voilà. Le nouveau pilote de Honda n'était pas en forme aujourd'hui. Maza qui demande un booster de Bigorno, s'il vous plaît. Les voitures s'alignent à présent sur la grille de départ et s'apprêtent à entamer la manche. Rejoignons la piste. Qu'est-ce que je peux avoir contre 8000 billets? Une super carabine ou une mini cuisinière? Manger chaud, c'est tentant. Mais il faudrait être gogol pour refuser une arme. Celle d'avant, on merdait pas. Vraiment. Je vais penser aux courses suivantes déjà. J'aimerais bien voir c'est quoi les courses suivantes. Comme je te dis, hein. Je me dis si une des deux courses suivantes, c'est la première course. C'est la première course, j'ai largement moyen. J'ai très largement moyen de faire 30 points. C'est même la seule course sur laquelle je peux à peu près faire 30 points sans forcer. En jouant legit. Hein. En jouant legit. Le F DP. Oh non! M'arrêtez de me pousser, putain! C'est un truc de ouf! Respectez-moi! C'était chaud ça. C'était pas clair, mais c'était surtout chaud. Oh, ce qui m'a mis! Allez. C'est pas ce qui se passe. Ça va pas durer, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous, ça va pas durer. Mais j'en peux plus! Ah putain, quel tocard celui-là. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais... C'est ouf, j'arrive pas à les rattraper même avec un bon top speed et tout. Oui. Oh, il m'a fait ça maintenant, j'ai failli partir dans le décor, t'es fou ou quoi toi? Je vais pleurer, c'est sûr. Ça marche Lox, à toutes. T'allure. Zoubi. Quand j'ai pas la pression, je fais des bons trucs. Du coup, j'ai la pression maintenant. Mais je suis trop con. C'est ça, exactement. Je suis dégoûté, quoi. Quel con, putain! Lord, va chier, quoi! J'ai failli partir dans le décor, espèce de recombe, va! Mais qu'il est con, celui-là, quoi! T'es même enculé! T'es fou, quoi! Putain, je fais de la demeure! Je fais de la demeure, quoi! Je te dis que je suis sous pression, tu me balances ça, quoi! Putain! Foiré, quoi! Ah putain, je te déteste quoi. Y'a que chez moi que ça se passe comme ça, hein, je vous le dis. Oh non, puis je fais de la demeure, voilà. Voilà, je suis déconcentré de ouf, je fais de la demeure, c'était sûr. Ça tourne mal. Tu me diras, deuxième, ça me suffira. Mais déjà, faut que j'arrive deuxième, c'est pas gagné. Je suis pas aidé, les mecs.
Putain, j'ai l'impression que je perds trop de vitesse en vrai. C'est pas clair. Bonsoir. Putain, les mecs. C'est dit. Dieu le veut. Que trépasse si je faiblis. Voilà, c'est donc que là, si je faiblis, je trépasse, parce qu'on sait sûr. Hein. Finir trépané même. Je deviens débile. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait cette caisse là, putain. Chaud. Putain, j'ai envie de le doubler, je me dis déjà. Déjà, deuxième, c'est pas mal, donc c'est un coup à ce que lui t'encule à sec. Quoi. Lui peut m'enculer à sec, quoi, juste parce que j'aurais essayé de le doubler. Quoi. Mais en même temps, c'est menu, cet enculé, il me le faut. Je le déteste, menu. Et ouais, je décélère trop, j'ai pas confiance dans ces putains de tournants. Et j'ai raison de pas avoir confiance, putain. Ah oui. Putain ! Jour. Nuit. Jour. Nuit. Mais quel jeu de merde ! Sans déconner, quoi ! Quel jeu de nazi, quoi! Ça me casse les couilles! Bourse molle! Bourse molle! Comment? Je suis dégoûté, mais tellement, quoi! Putain, j'aurais été bien avec un peu de points, là! Ça me casse les couilles! Oh, il a failli me tèche ce gros fils de pute aussi, quoi. Putain de merde. Et je parle mal, ça me gonfle aussi. Il y a tout ça qui me gonfle. Ce jeu me gonfle parce que ça me rend con. Mais ça me rend con, putain. Je déteste ça. Oh, j'ai cru qu'il allait me mettre quatrième, ce fils de... Yo Game Master, bien, bonjour, bonsoir. Il a fait une superbe course. Oh, ah, putain. Deuxième séance de... J'ai sauvé les meubles. Mauvaise séance pour le nouveau pilote de Honda. Et j'aurais pu avoir 15 points, franchement, ça m'aurait mis bien, on aurait pu finir le jeu. Franchement, j'aurais eu 15 points, je pense qu'on aurait fini le jeu. J'aurais fait la moitié du taf en une course. Mais moi aussi je vous kiffe, hein, mais c'est dur là. Enfin, en tout cas, moi je me déteste. Hein. C'est tout ce que j'aime pas, quoi. M'énerver, insulter, c'est... putain. Je me déteste sur ce jeu, quoi. Comment je finisse. Allez, c'est parti. Sans pression. Sans pression, ça joue. Genre un. Quel anglicisme. Ah oui, oui. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là, ça c'est magnifique. Ça c'est beau. Oui. Il pleut des questions. Passion, tu l'aimes et tu la bois. Putain, j'arrive plus à tourner. J'avais une technique à un moment donné là pour le tournant, mais je ne la connais plus.
vais essayer de voir si ça me revient, mais ça m'étonnerait. Mais je sais que je pouvais genre piquer à un moment donné. La petite remontada peut-être. Yo Lost, comment on va? Bonjour, bonsoir. Houlbouga. Je préférais qu'on t'appelait Houlbouga. Forcément, il y avait une certaine cohérence quoi. Avec le marathon, tout ça. Ça me faisait circuler de ouf. Oh, pas mal. En dixième, c'est un point. En dessous, ça sert à rien. Mais bon. Dans tous les cas, j'ai essayé déjà de... Je ne suis point malade ni folle dingo. Franchement, je me pose la question. Mais quel véritable enculé! Qui a été déban. Ok. Bon, bah, de toute façon, voilà, on va finir dernier sur cette course. Hein. C'est fini, oui! C'est fini, oui! Putain, on s'en va. On s'en va, Stephen! Monsieur Steven. Ah, je peux m'empêcher de crier sur l'IA, quoi. L'IA, c'est vraiment de la merde, quoi. La pire IA de tous les jeux, quoi. Appuie sur les touches, bah, c'est pour exclamation touche, Lost. Et qui. Dirait qu'il redécouvre mon stream. Enfin, ouais. C'est triste comme un putain de frigo vide. Des news de Morshiva du tout depuis très longtemps. Je l'ai croisé, je crois, sur un stream de DJ Boucherie. De DJ, vite fait, quoi. 30 secondes. Bonjour, comment vas-tu? J'ai plus rien. Un petit peu décevant. Mais bon, c'est le jeu. C'est internet, quoi. Triste comme un frigo vide, ouais, tu fous le bourdon, t'es triste comme un frigo vide. Logique, l'homme, comment vas-tu, bonjour, bonsoir. Oh, ils vont me tèche, c'est sûr. Ouais. T'y as pas droit, apparemment, je ne sais pas, c'est bizarre. Je vais peut-être faire un point. Tais-toi, le double. J'ai lâché de l'oseille ici. Ouais, c'est vrai, t'as lâché de l'oseille ici, gros. La vraie question, c'est pourquoi t'en lâches plus? Eh ouais! Les gens s'inquiètent, ils se posent la question, je me dis pourquoi. Tant que futur consommateur, ils se disent, mais pourquoi, voilà. Qu'est-ce qui fait que. Voilà. La pâte elle est moins bonne, on sait pas. Oh l'enculé! On peut plus! C'est la crise, non mais je sais, t'inquiète. On a tous dans le cul de toute façon d'une manière ou d'une autre. Moi je suis auto-entrepreneur, je te raconte pas mais la pilule que je prends. Mais la pilule laser. Faut appuyer sur les touches. Appuyer sur les touches. Ah bah là tu peux appuyer sur les touches hein. Appuyer sur les touches. Je ne suis point malade ni folle dingo. Holy shit! Je suis dans quoi? Je suis dans l'événementiel rétro gaming et je suis également prof d'histoire et culture du jeu vidéo dans une fac à Montpellier. Le problème c'est que je suis pas un prof titulaire, donc je suis payé au contrat. Donc c'est pareil autant entrepreneur tout ça. Des moments incroyables. Mais bon, j'espère secrètement à un moment donné être titularisé prof d'histoire et culture du jeu vidéo, et puis à ce moment-là, je serai tranquille. Quoi. J'appelle l'HP pour le double, la fin du jeu. Ouais, attends, la fin du jeu. Du coup, ouais, c'est un super taf après, mais bon.
grosses conventions t'en fais dans les Ronan? Non, moi je fais j'ai monté le grenier du barbu. C'est surtout pour faire des trucs plus intimistes, genre des anniversaires, des enterrements de garçons, de soirées, des mecs qui veulent récupérer des consoles avec des vieilles télé ou une bande d'arcade, etc. C'est plus minimaliste, mais au moins je suis plus tranquille, quoi. Les conventions ça m'intéresse pas parce que Bar Mitzvah, bah oui, clairement. Ça m'intéresse moins parce que je vais pas être gentil, mais 90% des gens en convention sont pas intéressants. Ils sont pompeux, ils sont souvent assez imbus, ils pensent vraiment savoir tout, surtout. Ils veulent te parler de jeux vidéo alors qu'ils en maîtrisent même pas 1%. Et voilà, mais moi je suis prof maintenant. Je suis conscient que toute ma vie j'apprendrai autour du jeu vidéo. La plupart des gens en convention sont persuadés de détenir la vérité, de savoir tout et tout sur tout. Alors que leur connaissance du jeu vidéo est ultra sommaire, mais vraiment. 95% de ces gens-là. Limite, certains youtubeurs en savent plus qu'eux. Alors que ça vaut pas non plus. Hein. Donc, du coup, en fait, ce milieu-là m'intéresse pas. Ce milieu-là m'intéresse pas du tout. Tu te rends compte, en fait, les gens qui ont de véritables connaissances dans le jeu vidéo et compagnie, ne vont pas non plus. Ils font des documentaires, ils font documentalistes, ils font des trucs, voilà. Mais tu les vois pas. Mais c'est souvent ça en même temps. C'est dans tous les milieux, c'est à peu près pareil. Hein. Les gens que tu vois le plus, hein, généralement, c'est les derniers de la classe, hein, c'est les cancres. Hein. Les Cyril Hanouna et compagnie. Quoi. Donc, c'est comme ça. Chacun son kiff, chacun son truc. Les gens qui font les anciens, ça pue. Mais de ouf. De ouf. Bah déjà, t'as des mecs qui font les anciens parce que genre, ça fait 5 ans qu'ils sont sur Twitch et compagnie, et puis ils veulent t'expliquer que c'est les anciens. Tu leur dis que ça fait 15 piges que tu fais des vidéos. Alors évidemment, il n'y avait pas de pognon à l'époque. Mais on en faisait quand même. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Voici les positions finales. En vrai, ceux qui s'y connaissent, ils devraient avoir intérêt à y aller. Le problème, c'est que on leur donne pas la place maintenant, et compagnie, parce que c'est vampirisé. C'est vampirisé justement déjà par ces petits groupuscules de gens qui ne connaissent rien. Il ne sera pas facile de le rattraper. Ah ! Pas de nom. Mais bon, voilà. Du coup, je sauvegardais là. Oui, on va voir la suite vite fait. Je crois qu'il me manque du coup. Je sais pas combien de points il faut que je fasse. Je vais dire c'est comme si je dire que tu connais tous ces nymphes, exactement. Oui, c'est du foutage de gueule. Brands Hatch Indie. Oh, je la connais pas cette course. C'est notre deuxième visite. Les qualifications pour la première course vont commencer. Allons donc voir qui va remporter la pole position tant qu'on voit. Ça me fait penser à Anal Génocide. Je connais pas. Alors on arrête déjà rien que le nom, ça fait peur. Anal Génocide. Ça fait flipper. Eh non. C'est quoi ces pseudos de. C'est quand même le pseudo de la défaite, quand même. Hi Slater. Bon matin. Good morning, ok. I get it. How are you guys? Welcome to the most annoying PS1 marathon. Feel free to have a chat, even if it's in English. Ah, the USA. The country of the fat ass. Fat ass versus frog, guy. How are you? Where are you from in the US? On l'a fait cette course, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Me dis quelque chose, vaguement. Cette course à la con, mais. Ça, si je me fais doubler, c'est que je suis à chier. C'est que je suis à chier.
San Francisco. Ah! I grew up in Switzerland. Ah, I lived in Switzerland like two years. In Zurich. That's pretty good. Pretty interesting. San Fernando. San Fernando, il a dit. Vas-y, c'est quoi? Allez hop. Fin. San Francisco. Le nouveau pilote de Honda n'était pas en forme aujourd'hui. Switzerland, of course. Je combien? Dernier. Les shit. 7 points. Allez, 7 points. Donc en tout, il me faut 27 points en 4 courses. Une langue. De Grenouille. In school for 10 years. Wow. 10 years and you only speak that kind of French. Well, I know English, it's really easy to learn, but but German is really hard to learn. I guess it's harder than French. Je suis sur le téco, moi. Sans déconner. Il m'a poussé, monsieur l'agent. Surely nonsense, yeah. That's funny, don't worry. Don't worry. Ouais, plus âge 24, ouais. Putain, ça va être chaud d'avoir 7 points sur cette course de nul là, non? On va essayer de la prendre un petit peu. Elle est chelou cette course. J'ai l'impression qu'on l'a déjà faite, mais je suis pas sûr. Parce que le nom me dit rien. La forme me parle vaguement. J'ai quasi fini. Il me manque 2 courses. Il me manque 2 courses et 27 points. 2 courses et 27 points, sachant que. Enfin, il manque 4 courses, on va dire. 4 fois, 2 fois la même à chaque fois, donc 4 courses et 27 points, sachant que je peux gagner 15 points par course. Donc en gros, si je fais 2 fois premier, j'ai gagné. Mais bon, faut le faire déjà. Brenzach et la première séance de qualification va commencer. Allons donc sur le circuit, voir ça de plus près. Mais quel enfer, évidemment, quel enfer. I'm in the south of France, in a little town. I'm about 5 or 10 minutes from the beach, and 5 or 10 minutes from the mountain. So I can easily snowboard and surf at the same time. I guess, but for me it's one of the beautifulest places in France. Yeah, nice. More south than Nice. But yeah, Nice is great, but Nice is really for tourists. Where I live, there are tourists, but they don't know the real good places. La pisse à la dière, il a dit. Et je sais pas si. Je sais pas si. Je sais pas. 47 secondes, c'est pas mal. Allez. Le nouveau pilote de Honda n'était pas en forme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut te foutre si je suis en forme ou pas, Warkmoom? C'est sur le point de commencer. Voilà, ouais. Rejoignons donc la piste et voyons qui va prendre la tête.
comprends pas du tout ce qui se passe. Oh oui! Oh la chatte laser, mon gars. Chatte laser. Dague laser. Disque laser de Dorothée. Oh oui! Il se passe des choses. Mais il est en train de me niquer, ce fils d'op, quoi! C'est un truc de ouf! Yo, Centra Dix bien. Bonjour, bonsoir. Soir. Putain, j'en peux plus de ce jeu de merde. Je n'en peux plus, Joe. Comment va Zentradix, quoi d'œuf? What's new, Pussycat? Oh! J'aime pas cette course non plus, en fait. Heureusement, ça a pas l'air trop dangereux, même s'il y a de la pluie, parce qu'on peut pas trop aller top speed, à part ici. C'est un peu le moment un peu edgy, comme on dit dans le jargon. Faut juste que je me fasse paniquer, les mecs. Merci d'avoir transformé ton abonnement Twitch Prime en abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Parce que ça change, mais merci. Ça me l'a affiché, donc je te fais un kiss. Merci Zentradix. Avec plaisir. Mais quel véritable enculé, quoi! Sans déconner! Ouais, non, je regarderai les mails plus tard. Je sais pas pourquoi je regarde les mails maintenant, je suis trop con. Le jeu me prend de ouf, mais de ouf. De ouf. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les mecs. Mais vous imaginez même pas, quoi. En plus, la censure émotionnelle, je croyais avoir fini le jeu, tout ça. Eh non, tu rêves. Tu rêves. Hey, putain. Après, je vais aller faire les courses. Je vais regarder les trucs. Y'a pas de pâte, putain! Y'a pas de pâte! Je vais être là, je vais péter un gars. Pas d'œuf! C'est notre deuxième visite à Brands Hatch. Non, je vais pas faire ce matin, la première séance de qualification a commencé. Ah, je me vois trop gueuler comme un chmoum pour rien, quoi. Fin de qualif, on va y aller direct. On va y aller direct, on va s'entraîner avec les Golemons. On est parti pour 15 heures de jeu là, non? Non, non. Tout s'est ligué contre le nouveau pilote de Honda. Non. Les voitures sont prêtes à commencer la bientôt première fini, course. Ouais. Allons-y nous rejoindre sur la grille. Mais c'était sûr, putain! Mais pourquoi j'ai voulu doubler, moi? Sans déconner! Oh là 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 là, I wanna be a e-girl, les mecs, je vous le dis. C'est quand même, la vie est beaucoup plus douce quand t'es une putain de e-girl, quand même. Maintenant que je me suis rasé, je peux faire le e-boy, non? C'est clair.
putain, mais j'arrive même plus à tourner, quoi. C'est une horreur. Le Vietnam. J'ai des retours du Vietnam. J'ai des flashouillis. Oh, mais t'es pas sérieux le jeu, sans déconner, à un moment donné tu vas peut-être arrêter de m'enculer, quoi. Si vous avez choisi votre menu, tu vas y sauter à la gorge, c'est clair. Qu'est-ce que t'as dit, bâtard? C'est pas possible, hein, les mecs, vraiment. Quel jeu de merde, quoi. You're pretty good. Quoi, GG? GG de quoi? Tu rates le même stream que moi ou pas? C'est pas clair, Big Bess? Le même stream, non? J'ai fait de la merde. Me tourne pas, putain! Je vais te patater, moi! La première séance de qualification. Je me qualifie de rien du tout, de toute façon. Mais tournant, je suis dernier. Qualifie-toi toi déjà. Fais la qualifiante, joue à la pétanque, bâtard. Ce jeu qui me rend bête à souhait. Quoi. Franchement, ce jeu-là, je le mets pas sur YouTube. Elle est rediff là, YouTube, vous m'oubliez. Je fais la même connerie là, je me mets pas sur. Wow. Oh, mais c'est chaud les mecs. Sans déconner quoi. J'ai enculé l'ambulance en plus. You're pretty good. Ouais, je suis pas mal, c'est vrai. Faut appuyer sur les touches. Appuyez sur les touches. Mais quel jeu de ces morts, sans déconner, quoi. Oh là là, le jeu des gitans, quoi. Gitans nazis. Très rare. Sont deux en France. Il y en a un, il s'appelle Morandini, je crois. L'autre, après, je m'appelle plus son nom. Mais le premier, c'est, il me semble que c'est ça le nom. Gitan nazi. Brenzach, et la première séance de qualification va commencer. Allons donc sur le circuit, voir ça de plus près. Faut que je me mette à droite direct, en fait. Mauvaise séance pour le. Vas-y, pulpipi. Pulpipi. Même comme ça, il trouve le moyen de faire un piqué et de me dégager, quoi. Un enculé, quoi. Sans déconner. Putain de jeu de nazi, quoi. Ta grand-mère, elle est encore en train de se faire tondre, quoi. Même en 2020, ça tombe. Quand un coiffeur la voit, il est possédé, il chope la tondeuse. Oh le bâtard, il me tèche comme des daubes, comme de la merde, quoi. J'en peux plus de ce jeu de facho, quoi. Parce que je suis juif qui font ça. Ouais. Un joueur standard, hein, évidemment. Ça passe, mais moi. Voilà. Ok, pas de problème. Oh, je prenne un petit peu plus, j'imagine. Là, y a pas besoin. Là, un petit peu. Ouais, je suis désolé pour mon langage. Je suis désolé les potos. Vraiment, moi je trouve ça inquiétant. Ça me ressemble pas du tout. Déjà gueuler sur un jeu, ça me ressemble pas trop, mais alors en plus sortir des horreurs pareil. Ce jeu fait sortir ce qu'il y a de meilleur en moi. Oh oui.
Oh oui. Putain, je m'étais déjà fait mon programme demain là. J'étais là, ouais. On va faire des petits papillons, des petits machins, ça va être sympa. On va mettre un petit, une petite coupe fraîcheur au jeu, enfin au stream. Que dalle. Que dalle. Je l'ai dans le baba. Je l'ai dans le papa. Donc on arrive à finir le jeu assez rapidement, mais honnêtement, j'y crois moyen. J'y crois moyen. Mais le jeu me rend ouf, ouais. C'est. Pourtant, j'en fais des jeux difficiles, hein. Les Souls et tout, je les ai tous faits, mais ça m'a rarement, même les Souls, ça, rarement, je pète un câble. Hein. Ça peut m'arriver, hein, d'être un petit peu en mode... Mais généralement, je me dis, bon, arrête de jouer un peu, reprends plus tard. Oh non, mais tu peux pas me faire ça, le jeu, c'est pas possible. C'est pas possible, putain! Ah, je m'étirais, hein, c'était pas... Voilà. C'était vraiment l'étirement. Ça m'a fait du bien d'ailleurs. On va regarder les codes là, qu'on a gagnés. CM Toon, CM Disco, ce que ça fait. Course unique, évidemment, oui. Facile, peu importe. CM Disco et CM Toon. Cheat mode enabled. Cheat mode enabled. Putain, en plus avec l'accent anglais que je déteste Londres. Je déteste les londoniens, je vous le dis. Mais je pense que c'est parce que, pour quasiment les mêmes raisons, je déteste Paris. C'est des villes de merde, peuplées par des cons. C'est Paris ? En mettant en question. Cheat mode enabled. C'est une blague. Enfin, si. Ce qui est pas une blague, c'est que je déteste ces villes-là. J'aime pas l'ambiance, j'aime pas le climat, j'aime pas la tension palpable des gens. Oh, c'est génial! Ah, c'est un mode cartoon, quoi. Ok, c'est rigolo. Ça me plaît. Ça me plaît. Et Disco, du coup? Ah, bah, c'est la même course, mais. Oui, donc j'avais bien fait cette course. Je l'avais faite sans la pluie. C'est bien ce qui me semblait. Je l'avais faite sans la pluie, ouais. Du coup, on avait une meilleure visibilité. Du coup, oui, je pouvais bien tourner sans la pluie ici. Et CM Disco, je vois pas. CM Disco, je ne vois pas. Apparemment, les autres sont moins vénères, Captain Poon. Ils sont moins. C'est moins la dose. C'est moins la dose ultime, donc on verra. Ok. Bon, vous savez quoi? On va se garder les deux dernières courses pour demain. Demain, on aura 3 heures pour le finir. Je pense que demain, on va le finir, il n'y a pas de souci. Je vais aller faire les courses tranquillement. Ça va me détendre, il y a des chances. Il y a des chances que ça me détende. Du coup, on va aller embêter qui? Qui stream des trucs bien? Recallbox, non merci. Les trucs d'entreprise, c'est une honte. C'est une honte sans nom, ça. Donc moi, c'est mort. En plus, avec des bots viewers, super. Tac, 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 tac. Sur stream, non, je pense pas. Je sais pas, on verra. Ce sera la surprise. Ah, mais Coquillette, qui fait du Sky of Arcadia, très bien, on va aller l'embêter. Allez, on va aller embêter Coquillette. Ok les gens. Mais je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup pour cet après-midi incroyable. Ah, du coup, le mode démo, je pète un câble. Ah, super. Même la démo du jeu, c'est de la merde. Je vous dis à demain après-midi, du coup, sur 14h pour la fin, normalement, de ce jeu complètement à chier. Merci beaucoup pour votre patience, merci pour l'énergie, tout ça, ça fait du bien. Sayonara!
Mais quel jeu à la con. C'est magique.